Buenos días, familia. Bonjour famille. Dios me los bendiga. Que Dieu vous bénisse. Vamos a comenzar nuestra reunión de hoy con una oración, por favor. Nous allons commencer notre réunion d'aujourd'hui avec une prière, s'il vous plaît. Y así podamos tener nuestra mañana. Et comme ça on pourra avoir notre matinée. De reunión con Dios. De réunion avec Dieu. De la palabra de Dios. De la parole de Dieu. Te invito a que ores conmigo. Et je t'invite à ce que tu pries avec moi. Señor, te damos gracias. Seigneur, nous te remercions. Te pedimos, Padre. Nous te demandons, Père. Te lo suplicamos, Señor. Et on te le supplie, Seigneur. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Que la presencia tuya, Señor. Que ta présence, Seigneur. Que tu autoridad. Que ton autorité. Y tu palabra. Et ta parole. Hoy sea manifiesta en este lugar. Aujourd'hui se manifeste dans cet endroit. Y te pedimos, Padre. Et on te demande, Père. Que nos transforme. Que tu nous transformes. Que toque nuestros corazones. Que tu touches nos cœurs. Nuestros pensamientos. Nos pensées. Para que podamos, Señor, pour qu'on puisse, Seigneur, seguir cumpliendo el propósito por el cual tú nos has llamado. Continuer à accomplir le but pour lequel tu nous as appelé. Gracias, Señor. Merci, por Seigneur. Este día que tú nos has dado más de vida. Pour cette journée que tu nous as donné de plus de vie. Gracias, Señor. Merci, porque Seigneur. Porque cada iglesia, parce que chaque église, está en tus manos, qui entre tes mains, en tu corazón, dans ton cœur, en tus pensamientos, dans tes pensées. Gracias, Señor. Merci, porque Seigneur. Porque tu bendición, parce que ta bénédiction, están con cada uno de tus hijos del mundo. Et avec chacun de tes enfants autour du monde. Bendice a cada pastor. Bénis chaque pasteur. A cada líder. Chaque leader. A cada miembro, Señor. Chaque membre, Seigneur. Que hoy se estén disponiendo a servir en tu altar, Padre. Qui aujourd'hui se dispose à te servir dans ton autel. En el nombre de Jesús oramos. Au nom de Jésus nous prions. Y quedamos en tu presencia, Et Señor. Nous restons en ta présence. Amén. Amen. Amén. Amen. Reciban saludos de nuestros pastores principales. Et recevez un salut de nos pasteurs principaux semana. Comme chaque semaine. Y de cada uno de nosotros, el equipo pastoral de Mise France, también un abrazo muy caluroso y muy fraterno, muy de hermandad. Et chévere. De chacun des pasteurs de l'équipe pastorale d'ici Mise France, recevez vraiment un câlin très affectif, vraiment de frère à frère, de fraternité. Saben, la semana pasada comenzamos una serie. La semaine passée, pardon, nous avons commencé une série. Que pudo haber producido cierta confusión. Qui peut-être a produit une certaine confusion. El reino contraataca. Le royaume contre-attaque. Yo hablé esta semana con muchos hermanos. J'ai parlé cette semaine avec beaucoup de frères. Y ya todo el mundo estaba listo para salir a la guerra. Et tout le monde était déjà prêt pour sortir à la guerre. Creían que con lo que habíamos escuchado el domingo ya éramos más que vencedores. Ils croyaient qu'à ce qu'on avait entendu dimanche, on était plus que des vainqueurs. No hemos entendido que les dije que esto va a ser un periodo de pausa. Et je crois qu'on n'avait pas compris, comme je vous avais dit, que ça allait être une période de pause. De dos o tres meses. De deux ou trois mois. De preparación. De préparation. Porque tú y yo como partes del reino de Dios. Parce que toi et moi en tant que partie du royaume vamos de Dieu. Vamos a contraatacar. On va contre-attaquer. Y habíamos hablado de tres puntos muy especiales e importantes. Et on avait parlé de trois points très spéciaux, très importants. A ver, el primero ¿cuál era? Le premier c'était quoi? No se trata de mí, sino de Dios. Il ne s'agit pas de moi, mais de Dieu. Eso nos ubica realmente donde tú y yo debemos de estar. Et ça, ça vient nous placer là où ¿sí toi no? et moi nous devons réellement être. Segundo punto, ¿se acuerdan? Deuxième point, vous vous en souvenez? Lo voy a poner a bailar Padre Abraham otra vez. Et je crois que je vais vous demander de danser no Père Abraham. Somos accidentes. On n'est pas des accidents. Ni somos planificados por nuestros padres. Et on n'est pas planifié par nos parents. Venimos directo del corazón de Dios. On vient tout droit du cœur de y Dieu. Y el tercer punto era. Et le troisième point c'était. ¿Qué es lo que mueve mi vida? Qu'est-ce qui vient motiver ma vie? ¿Qué es lo que motiva Qu'est-ce mi vida qui cristiana? Bouge ma vie chrétienne? Porque habíamos visto que todo giraba en torno a nosotros. Parce qu'on avait vu que tout tournait autour de que nous. Que somos los especiales. Que nous sommes les spéciaux. Que somos los únicos. Qu'on est les uniques. Entonces con cambiar esos tres puntos en nuestras vidas pensamos que ya estamos listos para volver a salir a la batalla. Et en pensant que nous changeons ces trois points, c'est bon, on est prêt à sortir à la bataille. Cuando uno habla de contraataque, mais quand on parle de contre-attaque, quiere decir que ya nos atacaron. Ça veut dire qu'on nous a déjà attaqué. Quiere decir que el ejército, la armada, toma un retroceso. Ça veut dire que l'empire, l'armée, elle vient prendre un peu de recul. Para fortalecerse. Pour se fortifier. Para aprovisionarse. Pour s'approvisionner. Para sanar heridas. Pour guérir des blessures. Para planificar nuevas estrategias. Pour planifier de nouvelles stratégies. Y para probar de repente nuevos armamentos. Et peut-être pour tester de nouveaux armements. ¿Sí o no?
N'est-ce pas? Eso fue más o menos lo que la semana pasada estuvimos viendo. Ça, c'est ce qu'on a vu à peu près la semaine dernière. Pero no quiere decir que ya estamos listos, no. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on est déjà prêt. Aunque no es nuestra la batalla, es del Señor. Même si c'est pas notre bataille, c'est celle du Seigneur. Pero los que ponemos las caras, los cuerpos, el alma, la vida somos tú y yo. Mais ceux qui mettons le visage, la vie, les corps, c'est toi et moi. Nuestra batalla ya fue ganada en la cruz. Notre bataille a déjà été gagnée sur nuestra la croix. Guerra. Notre guerre. Pero nuestro diario vivir o cotidiano tenemos que todavía seguir combatiendo tú y yo. Mais dans notre quotidien, dans notre jour à jour, on doit continuer à combattre avec Dieu. Por eso dije que una de las cosas que vamos a comenzar a cambiar es el lenguaje. C'est pour ça que j'ai dit que l'une des choses que nous allons commencer à changer c'est le langage. Ya hicimos el análisis. On a déjà fait l'analyse. Ya hicimos el diagnóstico. On a fait le diagnostic. Ya sabemos cuáles son nuestras bajas. On sait quelles sont nos faiblesses. ¿Cuáles son nuestras bajas, nuestras pérdidas en la batalla? Ah, pardon, nos pertes dans la bataille. Ya sabemos cuáles son nuestras debilidades. On sait maintenant, oui, quelles sont nos faiblesses. Sabemos qué es lo que debemos de fortalecer ahora. On sait qu'est-ce que nous devons fortifier maintenant. Pero esto es parte de un propósito de Dios, de un entrenamiento, de una disciplina. Mais ça fait partie d'un but de Dieu, d'un entraînement, d'une discipline. Y eso yo lo estoy tomando y adaptándolo a esta serie. Et je suis en train de prendre et d'adapter cette série. De un libro que es muy famoso. D'un livre qui est très connu. 40 días con propósito. 40 jours avec un but. No corra a buscarlo porque yo estoy tomando ciertos puntos y lo estoy llevando lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Et ne courez pas le prendre parce que je m'inspire seulement de certains points et je l'emmène avec ce que la parole de Dieu veut nous dire. El libro no lo va a cambiar. Le livre ne va pas vous changer. Yo estoy contra los métodos. Et moi je suis contre les méthodes. Pero tomo cosas primordiales de cada una de las cosas y le digo, Señor, ayúdanos en estos aspectos sobre dónde ir. Et ce que je fais, c'est que je prends plusieurs points essentiels, je les expose devant Dieu et je dis, Seigneur, aide-nous avec ces points-là à aller là où nous devons aller. Si nos vamos a basar en ese libro de 40 días con propósito, deberíamos durar 40 domingos. ¿Verdad? Si on se base sur ce livre de 40 jours avec un but, on devrait durer 40 dimanches. Pero el Señor nos ha dado a mí, a la pastora, que con 2-3 meses nosotros podamos fortalecer nuestro equipo. Mais le Seigneur nous a donné à moi et à la pasteur qu'avec 2-3 mois, on allait fortifier notre équipe. Evidentemente. Évidemment. Con aquellos que realmente desean formar parte. Avec ceux qui réellement ont envie de faire partie. Con aquellos que realmente deciden hacerlo voluntariamente. Avec ceux qui réellement décident de le faire de manière volontaire. Y cuidado con lo que voy a decir. Et attention avec ce que con je vais aquellos dire. Que lo van a hacer aún involuntariamente. Et même avec ceux qui vont le faire involontairement. No hay ningún soldado que va a la batalla sabiendo que él va a ir de muy buena gana. Il y a aucun soldat qui part à la bataille en y allant avec vraiment une bonne envie. A menos que sea un desquiciado. À moins qu'il soit fou. Y será uno en un millón. Et peut-être un sur un million. Pero nadie va a la guerra a exponer su vida, su cuerpo, su bienestar, su familia. Mais personne ne va à la guerre sachant qu'elle expose sa vie, sa famille, son bien-être. Voluntariamente. Volontairement. Pero acude al llamado de la nación. Mais il répond à l'appel de la nation. Francia si llega a entrar en guerra con las naciones vecinas, Dios no lo quiera, cuando él llame a su armada, todos los soldados deben de acudir, quieran o no quieran. Si la France appelle parce qu'il y a une guerre avec l'un des pays voisins, que Dieu ne le veuille pas, elle fait un appel et tous les soldats, qu'ils veuillent ou non, ils doivent répondre à cet appel. Y hemos entendido que esto proviene de Dios. Et nous avons compris que cela provient de Dieu. Porque formamos parte de la familia de Dios. Parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Pero siempre le hemos dicho en la iglesia que formamos parte del ejército de Dios. Mais on vous a toujours dit qu'on faisait partie de l'armée de Dieu. Estamos metidos en una guerra cósmica. On est introduit dans une guerre cosmique. De magnitudes insospechadas. De magnitudes no pensadas. Pas pensées. Entre Dios y Satanás. Entre Dieu et Satan. Y tú y yo estamos en el medio. Et toi et moi, on est au milieu. Si nos vamos del lado de Satanás, formamos parte del equipo de Satanás. Y si nos vamos del lado de Dios, formamos parte del equipo de Dios. Pero tanto el uno como el otro se van a empezar a tener problemas. ¿Sí o no? Alors, si on va du côté de Satan, alors on fait partie de l'équipe de Satan. Si on va du côté de Dieu, alors on fait équipe du côté de Dieu. Mais dans tous les cas, les deux vont avoir entre eux des problèmes. Y otro de los puntos que hoy vamos a comenzar para que lo entendamos y lo voy a ir diciendo poco a poco y si no me da tiempo de decirlo todo, lo diré la semana que viene. Et l'un des points importants que j'aimerais aujourd'hui développer et on va y aller peu à peu, s'il y a des choses que je n'arrive pas à dire aujourd'hui, je les dirai à ce moment-là la semaine prochaine. Porque quiero que tú y yo lo entendamos.
Parce que j'aimerais que toi et moi le comprennent bien. A ver, primer punto que vimos el domingo pasado, que era lo importante que debemos de entender. Alors, premier point qu'on devait comprendre essentiellement dimanche dernier, c'était quoi? No se trata de mí. Il ne s'agit pas de moi. No se trata de ti. Il ne s'agit pas de toi. No se trata de nosotros. Il ne s'agit pas de nous. Se trata de Dios. Il s'agit de Dieu. Eso hay que grabarlo acá. Ça, il faut l'enregistrer Porque ici. Eso te va a cambiar la manera de vida a ti. Parce que ça, ça va changer ta manière de vivre. Ayer empezamos el estudio bíblico y empezamos a tener un muy bonito estudio. Hier, on a commencé à voir l'étude biblique et c'était une très belle étude. Pero lamentablemente el ser humano siempre gira en torno a uno. Mais malheureusement, l'être humain tourne toujours autour de soi-même. Tourne toujours autour de soi-même. Y necesitamos et nous avons besoin que, tu mente, que ta pensée, tu corazón, que ton cœur, tu espíritu, que ton esprit, que, toda tu alma, que toute ton âme todo tu cuerpo, et tout ton corps entienda comprennent que no se trata de ti, qu'il ne s'agit pas de toi, sino de Dios. Mais de Dieu. No es tu problema, c'est pas ton problème, no es tu familia, c'est pas ta famille, sino es el problema de Dios, c'est le problème de Dieu, es la familia de Dios. C'est la famille de ¿Por Dieu. Qué? Pourquoi? Por el segundo punto, et le deuxième porque point, no somos un accidente. Parce que nous ne sommes pas un accident. Y se lo estoy repitiendo para que Dios salgan de aquí claros. Et je vous le répète pour qu'aujourd'hui ce soit clair pour vous. Usted fue planificado por Dios. Vous avez été planifié par Dieu. Su color de piel. Votre couleur de su peau. Familia. Votre famille. Sus sentimientos. Vos sentimientos. Su país. Votre pays. La iglesia donde usted está. L'église où vous êtes. El hecho de que usted hoy vino acá es porque Dios ya lo tenía estipulado. Et le fait que vous soyez aujourd'hui ici, c'est parce que Dieu l'avait déjà stipulé. Les hommes, bájese de ese pedestal de orgullo. Redescendez de cet étage d'orgueil. Pedestal se dice étage. De cuando uno se monta así tipo rey. De ce pedestal. Bájese de esa nube. Redescendez de ce nuage. Nada es suyo, nada proviene de usted, todo proviene de Dios. Rien n'est à vous, rien n'est vôtre, tout provient de Dieu. Sus hijos. Vos enfants. Su dinero. Votre argent. Su trabajo. Votre travail. Su inteligencia. Votre intelligence. Hasta su brutalidad. Et même votre brutalité. Proviene de Dios. Provient de Dieu. Porque el Señor lo ha diseñado. Parce que le Seigneur vous a dessiné. Meticulosamente. Meticuleusement. Como él quería. Comme il voulait. Y el tercer punto. Et le troisième point. Es que es lo que me motiva a mí vivir. C'est qu'est-ce qui me motive moi à vivre? El mundo, le monde, lo material, le matériel. Porque si he entendido el primer punto que no se trata de mí, mi motivación tiene que ser Dios. Parce que si j'ai compris le premier point comme quoi tout commence avec Dieu, alors ma motivation c'est Dieu. Le voy con el cuarto punto ahora para seguir del domingo pasado. Et maintenant, j'attaque le quatrième point pour continuer avec dimanche passé. Ecclésiastes capítulo 3. Ecclésiastes chapitre 3. Versículo 11. Verset 11. Yo lo leo en español, en pantalla creo que lo van a tener en francés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes chapitre 3, verset 11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dios todo lo hizo hermoso. Dieu, il a tout fait, toutes choses bonnes. La Biblia dice en Génesis que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios estaba haciendo la creación, dice que todo lo veía hermoso y era bueno y agradable. Pero el hombre era bueno y agradable en gran manera, para el Señor le gustó. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme et toute sa création, pour Dieu c'était des choses qui étaient bonnes, c'était des choses qui étaient agréables. Mais pour Dieu, c'est écrit que c'était des choses qui étaient agréables en bonne manière. Ça veut dire que ça a plu à Dieu. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Il a tout fait beau en son temps. Todo en tu vida es hermoso a su tiempo. Et tout dans ta vie est beau en son Pero temps. Hoy el Señor nos va a comenzar a recalcar que Él quiere que tú y yo vivamos para siempre. Et aujourd'hui le Seigneur il va bien nous faire remarquer à toi et moi qu'il veut que toi et moi nous vivions pour toujours. El Señor quiere que entendamos que tú y yo somos seres eternos, lo dije la semana pasada. Le Seigneur veut que toi et moi nous comprenions que nous sommes des êtres éternels, on l'a vu la semaine dernière. El Señor no nos creó solo por un período de tiempo.
Et le Seigneur ne nous a pas créés seulement pour une période de temps. ¿Saben cuando tú vives en la vida que el Señor te ha dado? Tu sais quand tu vis dans la vie que le Seigneur t'a donnée. Pensando que tú vas a vivir hasta los 70 u 80 años, 90 años, 100 años algunos. En pensant que tu vas vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans, 90 ans ou même 100 ans pour certains. Tienes una visión limitada de lo que es el propósito de Dios en tu vida. Tu as une vision limitée de ce qu'est le but de Dieu dans ta vie. Por eso comenzamos a correr detrás de las vanidades del mundo. Et c'est pour ça qu'on commence à courir derrière les vanités du monde. Porque creemos que se nos va a acabar todo dentro de 70 años. Yo tengo 58, si voy a vivir hasta los 100 años, para alegría de muchos, me faltan todavía 42 años por vivir. Parce qu'on croit que les choses vont durer juste quelques années de plus. Par exemple, si j'ai 58 ans, on va dire que je vis jusqu'à 100 ans, alors il me reste 42 années quiere à vivre. Quiere decir que yo tengo que aprovechar al máximo mi tiempo en la tierra. Ce qui veut dire que je dois profiter au maximum de mon temps sur terre. Pero el principio de hoy, mais le principe d'aujourd'hui, es que el Señor dice en Eclesiastés que él puso en nosotros, que él desde su corazón ya tenía pensado la eternidad para nosotros. C'est qu'il a mis en nous que lui dans son cœur, quand il pensait à nous, il pensait déjà à cette éternité avec nous. Saben, la culpa siempre se la sigo echando al mundo. Et la faute, je la remets toujours sur le monde. No vayan a decir, ah, ya salió el pastor fanático. Et allez pas dire, ah, oh, il y a le pasteur fanatique. Non. Non. Porque el mundo siempre nos ha metido ideas en la cabeza. Parce que le monde nous a toujours mis des idées en tête. ¿Han escuchado este principio o esta idea? Est-ce que vous avez déjà entendu ce principe ou cette idée? Vive ese día como que si fuera el último de tu vida. Vis ce jour comme si c'était ¿Sí le dernier de ta vie. ¿Qué harías tú si el Señor llega y te dice, Eduardo, te queda una semana de vida? Qu'est-ce que tu ferais si le Seigneur te dit, Eduardo, il te reste une semaine de vie? Marco, te quedan 3 semanas de vida. Marcos, il te reste 3 semaines de vie. O algunos como cuando le dijeron a mi hermana, te quedan poco tiempo de vida, estás desahuciada por el cáncer. Et où certains qui ont dit à ma sœur, il te reste peu de temps de vie parce que tu vas être exhausté avec le cancer. ¿Cuál es la reacción lógica tuya y mía? Quelle est la réaction logique que toi et moi on peut avoir? Eduardo, ¿qué harías tú? Eduardo, qu'est-ce que tu ferais? Honestamente, no me vengan a decir, no, yo salgo a evangelizar, yo salgo a hacer comunión todos los días, yo estoy arrodillado todos los días delante del Señor. ¡Mamolas! Honnêtement, venez pas me dire, non, j'irai évangéliser tous les jours, j'irai jeûner, j'irai prier tous les jours, c'est pas vrai. A ver, dígame, alguien que sea honesto, a ver, Eduardo, quelqu'un qui soit honnête, qu'est-ce que tu ferais? Te vas para una playa a disfrutar la playa. A ver, tu vas à la plage profiter d'une bonne plage. Elizabeth llora. Elizabeth, elle pleure. Los 7 días. Pendant les 7 jours. Ajá, de momento y después. Te vas para la playa también. Tu vas à la plage aussi. Pasa más tiempo con la familia. Tu passes plus de temps avec ta famille. ¿Qué más? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ella se déprime. Elle déprime. Hay otros que le darían por disfrutar la vida como sea. Il y en a d'autres qui voudraient profiter de leur vie. Se vuelven compañeros de Ricky Martin y empiezan a vivir la vida loca, hermano. Et ils deviennent des amis de Ricky Martin et ils vivent la vie folle. Y empiezan a vivir la vida como va viniendo, vamos viendo. Et ils commencent à vivre la vie, on voit au jour le jour. Sexo, droga, alcohol, fiesta, diversión. Sexe, drogue, alcohol, diversión. Si yo no fuera cristiano y me dijeran eso, mire, yo me iría a un banco a atracarlo, agarro el dinero y me voy a divertirme por todo el mundo, hermano. Moi, si on me dit ça, que je suis pas chrétien, je pars à la banque, je récupère l'argent et je la dépense partout dans le monde. On va être honnête. Vamos a ser honestos. On va être honnête. Eso es lo que el mundo siempre nos ha enseñado. Ça, c'est ce que le monde nous a toujours enseigné. Enciérrate a vivir con tu familia. ¿Y qué te impide ahorita, Elizabeth, vivir con tu familia ahorita más tiempo sin esperar a que te digan que tienes 7 días de muerte? T'enfermer, vivre avec ta famille, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de passer du temps avec ta famille sans qu'on ait besoin de te dire qu'il te reste une semaine de vie? ¿Qué te impide hoy en día irte a la playa? Independientemente que aquí, bueno, ir a Dunkerque, la playa es frío, es viento. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la plage? Bon, en prenant en considération aussi que la plage plus proche, c'est Dunkerque, c'est le vent, c'est les nuages. Pero vete al sur. Mais tu peux passer au sud. Ahora, cuando entendamos que nosotros hemos sido llamados para la eternidad. Mais maintenant, quand on comprend qu'on a été appelé pour l'éternité. Podemos irnos a la playa. On peut partir à la plage. Pensando en la eternidad. En pensant à l'éternité. Podemos estar con la familia. On peut être avec la famille. Pensando en la eternidad. En pensant à l'éternité. Podemos trabajar. On peut travailler. Pensando en la eternidad. En pensant à l'éternité. Porque me iría a la playa. Parce que j'irai à la plage. Sabiendo que me quedan 7 días. En sachant qu'il me reste 7 jours.
Pero entendiendo que yo tengo que ayudar al Señor a cumplir su propósito en mi vida. Mais en comprenant que je dois aider le Seigneur à accomplir son but dans ma vie. Y el propósito por el cual el Señor te ha escogido para la eternidad es para que tú lleves aquí en la tierra un mensaje de salvación a todos. Et le but pour lequel Dieu t'a appelé pour l'éternité, c'est pour qu'ici sur terre, tu passes un message à tous de salut. ¿Te gustaría ir ahora a la playa 7 días a evangelizar? Maintenant, est-ce que tu aimerais aller à la plage 7 jours pour évangéliser? Là, la chose, elle change. Non. ¿Te gustaría estar con tu familia compartiendo la de Cristo antes de que muñi muñi cuñi cuñi curucu cuñi? T'aimerais être avec ta famille en train de leur partager de Christ? Muñi muñi curucu cuñi cuñi cuñi. Avant de cuñi cuñi muñi. Non, siempre es así, no. Cuñi cuñi. Cuñi cuñi. Curucu cuñi. Curucu cuñi. Ni ni ni. Ni ni ni. Saben, el ser humano. Vous savez, l'être humain. Innatamente. De manière innée, en su ADN, dans son ADN, siempre ha querido alcanzar la inmortalidad, ¿sí o no? A toujours voulu atteindre l'immortalité. La eterna juventud. L'éternelle jeunesse. Si no te vean todas esas series de superhéroes. Sinon, regardez toutes ces séries de son super-héros. Todos, bueno, casi que inmortales. Ils sont tous limite immortels. ¿Cierto? ¿N'est-ce pas? Y eso es lo que tú y yo siempre hemos anhelado. Et ça, c'est ce que toi et moi nous avons toujours voulu. Pero como el mundo nos ha engañado, no hemos sabido que ese poder de la inmortalidad está en nosotros. Mais comme le monde nous a trompé, on n'a pas su que ce pouvoir de l'immortalité, il est en nous. De la eternidad, el Señor lo puso en nuestro corazón. Et cette éternité, le Seigneur l'a mis dans notre cœur. Por eso hoy quiero que tú y yo entendamos que el Señor nos ha diseñado, nos ha creado, nos permitió nacer para la eternidad. C'est pour ça que j'aimerais que toi et moi aujourd'hui on comprenne que le Seigneur nous a dessiné, que le Seigneur nous a créé pour l'éternité. Dice esto aquí en Eclesiastés y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho en uno. Il est écrit même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Tú y yo no hemos entendido realmente cuál es nuestro propósito de vida. Toi et moi nous n'avons pas réellement compris quel est le but de notre vie. Por eso hemos salido como cuidado con lo que voy a decir, no se me ofendan, como animales reactivos. C'est pour ça qu'on est sorti, attention avec ce que je vais dire, comme des animaux réactifs. Nos abren la puerta y salimos corriendo y nos estrellamos y nos pisa un carro. On nous ouvre la porte, on part en courant et on se fait écraser par une voiture. Visitamos a la gente, tenemos circunstancias y reaccionamos y dañamos nuestras relaciones. On visite les personnes, on a des circonstances et après on abîme les personnes. On fait du mal aux personnes. Tú y yo necesitamos entender. Et vous savez, toi et moi, nous avons besoin de que comprendre. Ahora la vida cristiana que el Señor nos está proponiendo es de formarnos, de prepararnos, de autodisciplinarnos, de disciplinarnos, de corregirnos, de fortalecer. Que maintenant la vie chrétienne que le Seigneur est en train de nous proposer, c'est une vie où on va devoir nous former, nous discipliner, nous auto-discipliner et de grandir. Amén. Amen. ¿Por qué? Pourquoi? Porque tenemos todo el tiempo del mundo. Parce qu'on a tout le temps du monde. Si yo voy al médico. Si je vais chez le médecin. ¿Cuántos aman a los médicos? Combien aiment les médecins? Yo los amo. Moi je les aime. Pero yo los amo bien lejos. Mais je les aime bien loin. Porque basta que tú vayas donde un loco de eso te llena la cabeza de que te vas a morir pronto. Parce qu'il suffit que tu ailles les voir et ils te remplissent la tête comme quoi tu vas mourir bientôt. Y puede ser verdad. Et peut-être que ça peut être vrai. Pero ¿sabes qué? Mais tu sais quoi? La muerte es algo normal, hermano. La mort c'est quelque chose de normal, mes frères. Es normal que tú algún día vayas a morir. C'est normal, un jour tu vas mourir. ¿Alguien piensa aquí que no va a morir? Quelqu'un pense ici qu'il ne va pas mourir? Solo si el Señor nos arrebata. À moins que le Seigneur nous enlève. Pero es una especie de muerte. Mais c'est une espèce de mort. Porque no hemos entendido la muerte del punto de vista de Dios. Parce que nous n'avons pas compris la mort du point de vue de Dieu. Porque el enfoque que nosotros tenemos de la vida es muy diferente al enfoque que Dios tiene de la vida. Parce que la focalisation que nous avons sur la vie est très différente à la focalisation que Dieu a sur la vie. Mi corazón se va a detener. Mon cœur va s'arrêter. Mi cuerpo se va a pudrir. Mon corps va pourrir. Va a dar de comer a muchos gusanos, créalo. Il va servir comme nourriture à beaucoup de vers. Por mi tamaño van a comer muchos gusanos. Et croyez-moi, vu ma taille, il y a beaucoup de. Y van a salir bien robustos de ese sarcófago. De vers de terre qui vont sortir bien robustes du Pero sarcophage. Pero eso lo que va a marcar es el fin de mi cuerpo en la tierra. Mais ça va seulement marquer la fin de mon corps Porque sur terre. Porque mi destino. Parce que mon destin. Mi último destino. Mon dernier destin. No es la fosa del cementerio.
n'est pas la fosse du cimetière. Es entender que Dios me ha hecho para la inmortalidad. Quiere decir que tú y yo vamos a trascender a pesar de la muerte. C'est comprendre que Dieu m'a créé pour l'immortalité. Ça veut dire que toi et moi, on va transcendancer, je ne sais pas si ça se dit, au-delà de la mort. Y si no me quieres creer, et si vous ne voulez pas me croire, vamos a segunda de Corintios, por favor. On va lire 2 de Corinthiens, s'il vous plaît. Chapitre 5, versículo 1. Verset 1. Porque creemos que tú y yo estamos desesperados porque la muerte llega, la muerte llega. Ya tengo 60, ya tengo 70, ya tengo 80 y parecemos un contador regresivo como el que ponemos al principio del culto siempre. Et toi et moi, on est désespérés parce qu'on se dit la mort arrive, parce que j'ai 60, 70, 80 et notre vie, on la présente avec un compteur comme on le met au début du culte. ¿Saben? Nuestra casa se puede desmoronar aquí en la tierra. Vous savez, notre maison, elle peut devenir en miettes ici nuestro sur terre. Cuerpo va a detenerse. Notre corps va s'arrêter. Pero es provisional. Mais c'est provisionnel. Porque nosotros, provisoire. Nuestra morada no es terrestre, sino eterna. Parce que notre habitation, elle n'est pas terrestre, elle est éternelle. Dice así en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Alors, il est écrit ainsi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, póngale así, dígalo, este templo, este tabernáculo, dites-le, ce temple, esta morada de Dios, ce tabernacle, cette habitation de Dieu, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Y tú y yo, por no entender esta verdad, et toi et moi, à cause du fait de ne pas comprendre corremos cette vérité, al mundo, nous courons vers le monde que nos ofrece muchas opciones. Qui nous offre beaucoup d'options. Para que no te mueras tienes que hacer gimnasia todos los días y nos encerramos en un gimnasio. Pour ne pas mourir, tu dois faire du sport tous les jours et on s'enferme dans une salle de sport. Para que no te mueras tienes que hacer dieta todos los días y entonces te metes en una eterna dieta. Pour ne pas mourir, tu dois prendre alors une diète tous les jours et alors tu es dans une éternelle un éternel régime. Para que puedas disfrutar los 40 años que tienes, tienes que trabajar bastante, hacer bastante dinero porque tienes que dejarle el legado a tus hijos, la herencia. Pour bien profiter, tu dois travailler beaucoup pendant ces 40 ans pour pouvoir laisser de l'argent parce que tu dois laisser l'héritage à tes enfants. Y el mundo nos ofrece muchas opciones que nos distraen. Et le monde nous offre beaucoup d'options qui viennent nous distraire. Del propósito que Dios quiere establecer en tu corazón hoy, que es la eternidad. Du but que Dieu veut établir dans ton cœur aujourd'hui, qui est l'éternité. Se puede destruir esta morada. Cette habitation peut être détruite. Voy a morir algún día. Je vais mourir un jour. Yo eso lo sé. Et ça, je le sais. Yo siempre se los he dicho. ¿Qué diferencia hay entre mi hermana María Concheta que tiene cáncer y yo? Ninguna. Los dos ya tenemos el día establecido de nuestra muerte, hermano. Et je vous l'ai toujours dit. Quelle différence il y a entre ma sœur María et moi? Aucune, parce que les deux nous avons une date de mort établie. Aquel carnicero le dijo 4 meses y ya tiene 20 años viviendo. Il y a ce médecin qui lui a dit qu'il lui restait 4 mois. No, carnicero. Un boucher. Il y a ce boucher qui lui a dit, il te reste 4 mois de vie et ça fait 25 ans qu'elle vit. Quelle différence il y a? Ninguna. Aucune. Solo que tú y yo debemos de empezar a vivir cada día conforme a la visión de Dios. C'est juste que toi et moi nous devons commencer à vivre chaque jour conformément à la vision de Dieu. Una casa no hecha de manos sino de parte de Dios. Et une demeure qui n'est pas faite de main d'homme, mais de la part pero de Dieu. Tú y yo no lo entendemos. Mais toi et moi, on ne le comprend pas. Porque eso es etéreo. Parce que ça, c'est etéreo. Mi carro es físico. Ma voiture, elle est physique. Yo necesito un carro. J'ai besoin d'une voiture. Mi casa es física. Ma maison est physique. El amor es físico. L'amour est physique. Aunque digan que es del corazón, es mamolas, es porque sientes, es porque tus terminales nerviosas se mueven, vibran. Même si on dit que c'est du cœur, c'est pas vrai, c'est parce que ta chair, elle ressent, tu vibres. El mundo nos da muchas cosas. Et le monde nous donne beaucoup de choses. Pero ¿saben qué? Mais vous savez quoi? En la eternidad el Señor nos ofrece solamente dos cosas. Dans l'éternité, le Seigneur nous offre seulement deux choses. ¿Alguien lo sabe? Quelqu'un le sait? En la eternidad el Señor nos ofrece solamente dos cosas. Dans l'éternité, le Seigneur nous offre seulement deux choses. Sí, esa es la eternidad, pero ¿qué es lo que nos ofrece? Qu'est-ce qu'il nous offre? Salvación o condenación, hermano. La vida eterna siempre la tendremos. Salut ou condamnation, la vie éternelle, on l'aura toujours. Ahora bajo esta perspectiva. Maintenant sous cette perspective. Tus 40 años, 50 años en la tierra. Tes 40 ans, 50 ans sur terre.
son significantes para la eternidad que tú vas a vivir en condenación o en la salvación? ¿Es que ces années sont significantes par rapport à l'éternité que tu vas vivre en condenación ou en salut? 40 años de estudio y un título guindado en la pared para ser el mejor doctor va a valer la pena más que la eternidad. 40 ans d'études pour avoir un diplôme pour être médecin, est-ce que ça vaut vraiment la peine dans l'éternité? Porque yo me pregunto. Parce que moi je me pose la question. ¿Cuál es la visión de vida que tú y yo tenemos? Quelle est la vision de vie que toi et moi nous avons? Porque la relación que tú tengas con Dios, perdón. Parce que la relation que tu as avec Dieu. Aquí en la tierra. Ici sur terre. Va a determinar tu relación con Dios en la eternidad. Va déterminer ta relation avec Dieu dans l'éternité. Y yo no quiero que me levanten manos. Et je ne veux pas que vous leviez votre main. Pero si tu relación con Dios aquí en la tierra es nula. Mais si ta relation avec Dieu ici sur terre est nulle. No vayas a esperar que en el cielo tú estés allá con Dios. Ne t'attends pas à être dans le ciel avec Dieu. Porque el que fue sellado por el Espíritu Santo. Parce que celui qui a été scellé par le Saint-Esprit. Es aquel que tiene hambre y sed de Dios todos los días. C'est celui qui a faim et soif de Dieu tous les jours. Todos los días ora. Tous les jours il prie. Bueno, sí, pastor, a mí todos los días me preguntan la hora y yo lo digo. No. Oui, pasteur, moi tous les jours on me demande l'heure ora. Et je la donne. Non. Ora. Prier. No solamente en lo privado. Et pas seulement en privé. Donde vaya, vaya está orando. Là où il va, il y va en priant. Está en la alcaldía y está en su mente y en su alma orándole al Señor. Il va à la mairie et c'est dans son âme, dans sa pensée, il prie está au Seigneur. Está en su trabajo cortando pelo, imponiéndole manos a la gente y orando al Señor para que esa cabeza chueca, cabeza tuerta se convierta a Cristo. Il est en train de couper dans son travail, il impose les mains, il prie au Seigneur pour que ses têtes tordues, elles puissent être converties au Seigneur. En los institutos, en las universidades, está orando todo el tiempo para que la persona que se siente a mi lado pueda ser impactada por el amor del Señor. Dans les instituts, dans les universités, elle prie tout le temps pour que la personne qui soit à côté de moi, elle puisse être impactée par le Seigneur. Porque en el cielo solamente hay dos opciones. Parce que dans le ciel, il y a seulement deux options. Y todos aquellos que me digan, ay, que yo amo a mi esposa como que si fuera mi propia vida. Et tous ceux qui me disent, ah, moi j'aime mon épouse comme si c'était ma propre vie. Yo, esto sí lo van a decir muy poco. Yo amo a mi suegra. Et ça, il y a peu de personnes qui vont dire, j'aime ma belle-mère. Ah, bueno. Sí, Javier es un caso único, gloria a Dios. Oui, Javier, c'est un cas unique, gloire à Dieu. Ah, allá por allá también aman a la suegra. ¿Te aman a la suegra? Là-bas aussi, on aime la belle-mère. Deja que la suegra les empiece a gritar y a regañar para ver si la van a armar. Attendez que la belle-mère, elle vous crie dessus, vous allez voir. Tanto ella ama a su suegra que hasta ama el hijo también de la suegra. Maria, elle aime tellement sa belle-mère qu'elle aime même le fils de sa belle-mère. Yo quisiera ver a todas esas amigas. Moi, j'aimerais voir toutes ses amies. Por lo menos mi hija cuando me dice papi. Par exemple, ma fille quand elle me dit papa. Quiero salir con mi mejor amiga. Je veux sortir avec ma meilleure Hablo amie. Hablo de mi hija porque yo no puedo hablar de los demás. Je parle de ma fille parce que je peux pas parler des autres. Aunque sé que por medio de los demás también es lo mismo. Et je sais qu'à travers les autres, c'est la même chose. Pero son mejores amigas para qué? Mais vous êtes des meilleures amies pourquoi? Por estos 30, 40 años. Pour ces 30, 40 ans. Si ustedes son las mejores amigas de mi hija y mi hija no le ha dicho que si ustedes no se arrepienten se van al infierno, esa amistad a mí no me convendría, hermanas. Si vous êtes les meilleures amies de ma fille et ma fille ne vous a pas dit que si vous n'acceptez pas Christ, perdone, vous partez en enfer, alors cette amitié, elle ne sert à rien, elle ne vous Ahora, convient si pas. Ahora si usted a sus amigas le dice que Cristo la ama y ellas no aceptan esas amistades, no le convienen, hermanas. Alors maintenant, si vous dites à vos amis que Fácil, Christ ¿verdad? Les aime et que ses Pero amis ne veulent pas l'accepter. Alors, vous êtes miedo del Señor, pas des bonnes amies. El Señor, están orando, están leyendo la Biblia. Mais comme je sais que les filles, elles prient, Amen. Elles lisent la Bible, elles suivent le Seigneur. Por fe, respondan, hermana. N'est-ce pas les filles, même si c'est par la foi, répondez. Pero es así. Mais c'est comme ça. Porque, chicas, parce que les filles, chicos, les fils, en el cielo solo hay dos caminos, en l'éternidad, perdón. Dans le ciel, il y a seulement en deux chemins. Dans l'éternité, pardon. O se van para el infierno. Ou vous partez en enfer. O se van para el cielo. Ou vous partez au ciel. Y si yo tuviera un buen amigo, yo quisiera que mi buen amigo estuviera allá arriba en el cielo juntamente conmigo. Et si j'avais un bon ami, j'aimerais que ce bon ami soit avec moi là-haut dans le ciel. Por eso cuando yo veo aquí, ¿dónde están tus mejores amigos, Claudia? C'est pour ça que quand je dis Claudia, ils sont tes meilleurs amis? Kenza. Kenza. Eduardo. Eduardo. Ana. Anna, Marco, Marcos, Stéphanie, Stéphanie. Todos se vuelven français. Ils deviennent tous des Français. Je pense que donc ils sont et al final hacen se desinflan.
Et à la fin, no ça se dégonfle parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Están allá afuera. Ils sont là dehors. Pero ellos deberían estar en una casa de Dios. Mais ils devraient être dans une maison de Dieu. Cuando vayas a tu ciudad, búscate urgentemente una iglesia, hermana. Et quand tu retournes dans ta ville, cherche avec urgence une église, ma sœur. Búscate del Señor, hermana. Cherche le Seigneur, ma sœur. Cuando estés en la intimidad de tu hogar, busquen al Señor urgentemente, hermana. Quand vous êtes dans l'intimité chez vous, cherchez. Porque el Señor le quiere Seigneur. Transformar nuestras ideas. Parce que le Seigneur veut transformer nos idées, nos pensées. Nuestra relación. Notre relation. ¿Y saben por qué? Et vous savez pourquoi? Porque la tierra es un lugar de preparación. Parce que la terre est un endroit de préparation. Pero, mais, como siempre el mundo nos ha enseñado, comme le monde nous a toujours enseigné, Pasteur, usted sabe que, vous savez que nosotros tenemos libre albedrío. Nous avons le libre arbitre. Porque eso nos enseña el mundo. Parce que ça, c'est ce qu'on nous enseigne le monde. Sí, es verdad. Oui, c'est vrai. Pero el Señor te dio un mandamiento. Mais le Seigneur t'a donné un commandement. Mira que te mando que escojas el camino del bien y de la bendición. Je te demande à ce que tu choisisses le chemin du bien et de la bénédiction. Y cuando tú oyes ese versículo, et quand tu entends ce verset, ya este baile, la petite danse, empieza que, ah. Tu commences à. Eso lo dice la Biblia. C'est écrit dans la Bible, ça? Ah, yo no sabía. Ah, je savais pas. Y ahí se acaba toda nuestra libertad. Et là s'arrête toute notre liberté. Porque hay palabra de Dios. Parce qu'il y a la parole de Dieu. Dada directamente de Dios. Donnée directement de Dieu. Para que tú y yo busquemos, a juro, sí o sí. Pour que toi et moi on cherche, oui ou oui. Oui, oui. Obedecer a Dios. Obéir Dieu. Morir a uno mismo. Et mourir à soi-même. Y hay un problema. Et il y a un problème. Que tú y yo a veces nos volvemos. C'est que toi et moi parfois on devient como esos hijos desobedientes que vimos esta mañana en el proverbio, ¿se acuerdan? Comme ces fils désobéissants comme on l'a vu ce matin dans le proverbe, vous vous souvenez? Que escuchamos la palabra de Dios y hacemos lo que nos da la gana. On entend la parole de Dieu et on fait ce qu'on a envie. Pero el modelo que el Señor Jesús nos ha dejado para imitarlo a él en la eternidad es el modelo de la obediencia. Et le modèle que le Seigneur Jésus nous a laissé pour qu'on puisse l'imiter jusqu'à l'éternité, c'est le modèle de la obéissance. Por eso para el Señor hay dos tipos de personas. C'est pour ça que pour le Seigneur il y a deux types de personnes. Las que son como Jesús, cristianas. Celles qui sont comme Jésus, chrétiennes. Y las que son no cristianas. Et celles qui sont bah, pas chrétiennes. Cristinos. Cristino. En mi época había un mal chiste que decían cretinos. Et dans mon époque, il y avait une mauvaise blague, crétin. Porque creen vivir una vida y están engañándose. Parce qu'ils pensent vivre Locos. Une vie et ils sont en train de se tromper, c'est des fous. Tratan de vivir algo que nunca los va a transformar porque no es lo suyo. Et ils essayent de vivre quelque chose qui ne va jamais les transformer parce que c'est pas à eux. Y creen que porque escuchan la Biblia todos los domingos los va a transformar. Et ils pensent que parce qu'ils entendent la Bible tous les dimanches, ça va les transformer. El método Silva. La méthode Simba. Alpha Learning. Acuéstate escuchando la Biblia y tú vas a ver cómo tú vas a cambiar. Couche-toi en écoutant la Bible et tu vas voir comment tu vas changer. Non. C'est un travail d'esprit, d'âme et de corps uni. Y si eres cristiano, et si tu es chrétien, en el monte, dans la montagne, sí, ahí donde estaba Jesús, là où il y avait Jésus, confrontado con su realidad, confronté avec sa réalité, el Señor Jesús se debatió, le Seigneur Jésus s'est débattu, sudó gotas de sangre, il a sué des gouttes de sang. Y al final, ¿saben qué dijo? Et à la fin, vous savez ce qu'il a dit? Hágase tu voluntad. Que ta volonté se fasse. Porque el reino de la eternidad, parce que le règne de l'éternité. Para que la eternidad contraataque, pour que l'éternité contre-attaque. Tenemos que identificarnos en Cristo. Nous devons nous identifier en Christ. Y si somos cristianos, nuestra respuesta es que tu voluntad sea hecha, Señor. Et si nous sommes chrétiens, notre réponse est que ta volonté soit faite dans ma vie. Y si sabemos que es la voluntad de Dios que se está cumpliendo en mi vida, ¿cuál es el problema? Et si on sait que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ma vie, quel est le problème? Y si sabemos que Dios está obrando en nosotros, su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿cuál es el problema? Et si on sait que Dieu est en train d'agir en nous, sa volonté est bonne, agréable et parfaite, quel est le problème? Pero aquí interviene ya la segunda característica del otro personaje. Mais ici intervient l'autre caractéristique du deuxième personnage. Que no es cristiano. Qui n'est pas chrétien.
No le digo cretino porque suena ofensivo. Et je dis pas crétin parce que c'est offensif. Pero no es cristiano. Mais il n'est pas chrétien. ¿Saben cuál es? Vous savez quel est-il? El que siempre quiere hacer lo que le da la gana. C'est celui qui a toujours envie de faire ce qu'il a envie. ¿Y saben qué hace Dios? Et vous savez ce que fait Dieu? Ah, okay, está bien. Ah, ok, c'est bien. Jesús, que se haga conforme a tu voluntad. Jésus, que soit fait selon ta volonté. Conocemos personas así, ¿verdad? Yo antes era así. On connaît des personnes comme ça. Moi, avant, j'étais comme ça. Yo recién convertido hacía todo a mi manera. Moi, en étant un converti, au début, je faisais tout à ma manière. ¿Y saben? Et vous savez? Tú y yo nos volvemos como un Jonás. Toi et moi, on devient comme un Jonas. Y Jonás. Et Jonas. Tuvo que ser llevado. A dû être emmené. Al naufragio. Au naufrage. Al estómago de la ballena. Dans l'estomac de la baleine. Porque el Señor le estaba diciendo que tenía que hacer algo. Parce que le Seigneur lui a dit qu'il devait faire quelque chose. ¿Y saben lo que él hizo? Et vous savez ce qu'il a fait? No, Señor, yo lo hago como yo quiero. Non, Seigneur, je le fais comme je veux. ¿Y qué hizo el Señor? Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Que se lo trague la ballena. Et ben que la baleine l'avale. Porque el Señor le dijo, ah, está bien que se haga conforme a tu voluntad. Parce que le Seigneur lui a dit, ah, ok, tu veux faire selon ta volonté. Y sus consecuencias. Et ses conséquences. Marcaron su vida de por vida. Ont marqué sa vie à vie. Aunque podamos llegar a la salvación. Même si on peut arriver au salut. ¿Saben? Vous savez. Cuando tú empiezas a cambiar tu visión de Dios. Quand tu commences à changer ta vision de Dieu. A entender que la voluntad de Dios para tu vida es la eternidad. À comprendre que la volonté de Dieu pour ta vie c'est l'éternité. Es que vivas conforme a los planteamientos de Dios. C'est que tu vives conformément au plan de Dieu. El enfoque que tú tengas de Dios y tu visión tiene que cambiar. La focalización que tu as sur Dieu doit changer. ¿Por qué? Pourquoi? Porque tú no puedes ir por la vida creyendo que tienes un Dios cuneno. Parce que tu ne peux pas marcher dans ta pequeño. Vie en pensant que tu as un Dieu nain. Porque si tú tienes un Dios visual terrestre. Parce que si tu as un Dieu visuel terrestre. Cuando tengas un problema, tu problema es más grande que Dios. Quand tu auras un problème, ton problème est plus grand que Dieu. Y cuando tu problema es más grande que Dios. Et quand ton problème est plus grand que Dieu. Quiere decir que tú no tienes el mismo Dios que tenemos nosotros los cristianos. Ça veut dire que tu n'as pas le même Dieu que nous avons nous les chrétiens. Porque tienes que empezar a quitar tus ojos de ese Dios enano y colocar los ojos al Dios verdadero, al de la eternidad. Parce que tu dois commencer à enlever ton regard de ce Dieu nain et les placer ton regard vers le Dieu vrai, por eso éternel. Muchos cuando se me acercan y me dicen, pastor, tengo un gran problema. Et c'est pour ça que quand beaucoup s'approchent et me disent, pasteur, j'ai un grand problème. Il me dice, et on me dit. Je dis, sí, vale. Et j'ai dit, waouh. Tienes un gran problema. C'est vrai, t'as un grand problème. Porque lamentablemente tu Dios es pequeño. Parce que malheureusement ton Dieu est petit. Y le digo, dile a tu problema que tienes un gran Dios y tú vas a ver cómo tu problema se vuelve pequeño. Et je lui dis, dis à ton problème que tu logica. As un grand Dieu no. Et ton problème devient petit. C'est une simple logique. Pero non. Nos ahogamos en los problemas. Mais on se noie dans les problèmes. Nos alejamos de la visión de Dios. On se éloigne de la vision del de Dieu. Del enfoque de Dios. Du focus de Dieu. Porque vivimos focalizado en la tierra. Parce qu'on vit en étant focalisé sur terre. Mi enfermedad, ma maladie, mi dinero, mon argent, mi familia, ma famille, mi, mon, mi, ma, mi, 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 y todo es mi, et tout est moi, mon, mi. Mon, ya está bueno, et ça suffit, cambia tu mi, change ton mon, y coloca ma. Tus ojos al Señor en el cielo, et place tes yeux sur le busca Seigneur el reino dans le de ciel. Dios y su justicia, cherche le royaume y de tus Dieu, problemas justice, desaparecerán, et tes problèmes vont disparaître, porque Él se va a encargar, parce qu'Il va se charger, pero no porque tú los vas a cambiar o vencer, mais pas parce que tu vas les changer ou l'obéir. Porque él te va a acompañar a superar eso. C'est parce qu'il va t'accompagner à surmonter ça. ¿Saben? Yo hace un momento dije. Et vous savez, il y a un moment j'ai dit. Que tú y yo estamos aquí temporalmente en la tierra, ¿sí o no? Que toi et moi on est ici temporairement sur terre. Pero también dije. Mais j'ai aussi dit. Que tú y yo. Que toi et moi. Viviremos en una eternidad. Nous vivrons dans une éternité. Espero que todos en el cielo. Et j'espère pour tous que ce sera yo dans oro le ciel. Para que todos realmente tengamos convicción y vayamos al cielo. Et je prie réellement pour qu'on ait tous cette conviction et qu'on parte dans le ciel. Pero, mais cuando tú comienzas a ver, quand tu commences à voir
¿Cuál es tu visión? Quelle est ta vision? ¿Cuáles son tus valores? Quelles sont tes valeurs? ¿Cuáles son tus dones? Quels sont tes dons? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En quoi est-ce que tu investis ton temps? ¿En qué inviertes tus finanzas? ¿En quoi est-ce que tu investis ton argent? ¿En qué tú utilizas tu vida? ¿En quoi est-ce que tu utilizas ta vie? Tú puedes analizar. Tu peux analyser. ¿Hacia dónde tú estás viendo? Où est-ce que tu es en train de vivre? Où est-ce que tu es en train d'aller? Y yo no quiero juzgar. Et je ne veux pas juger. Pero yo sé que muchos. Mais je sais que beaucoup tienen su enfoque. Ont leur focalisation en las cosas de la tierra. Dans les choses de la terre. Lamentablemente. Malheureusement. Porque creemos que tengo que aprovechar. Parce qu'on croit que je dois en profiter. ¿Por qué servir en la iglesia si tengo una familia que atender? Pourquoi servir dans l'église si j'ai une famille à qui prendre soin? ¿Por qué venir los sábados al estudio bíblico? Pourquoi venir les samedis à l'étude biblique? ¿Para qué? Pourquoi? ¿Será que están esperando que yo cierre la transmisión en directo para obligarlos a venir? Est-ce que vous attendez que j'enlève le Zoom pour que vous puissiez venir? Porque el que es fiel en lo poco, parce que celui qui est fidèle dans le peu, va ser fiel en lo mucho. Va être fidèle dans le beaucoup. ¿Sí o no? N'est-ce pas? ¿Cuáles son tus valores? Quelles sont tes valeurs? Siempre aprovechar. C'est toujours profiter. Es mejor quedarme en mi casa. C'est mieux de rester chez moi. En vez que venir a la iglesia. Au lieu de venir à l'église. Ese es tu problema, no es el mío. Ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Pero el Señor. Mais le Seigneur. Te va a evaluar. Va t'évaluer. Conforme. Conformément. A la calidad y el tamaño de tu servicio. À la qualité et la taille de ton service. Y tú. Et toi, te puedes evaluar, tu peux t'évaluer si realmente tienes una verdadera relación con Dios, si réellement tu as une véritable relation avec Dieu ou religieuse, conforme al tamaño del compromiso que tú tengas con Dios, hermano. Selon la taille du compromis que tu as avec Dieu, mon frère. Pablo lo dijo. Et Paul l'a dit. Todo para mí era como ganancia, pero lo tuve que estimar como basura, tuve que desecharlo todo. Pour moi tout était un gain, mais je l'estime maintenant comme un déchet, je l'ai rejeté. Hermanos, mes frères, estudien la vida de Pablo. Étudiez la vie de Paul. De todo lo que él se tuvo que despojar. De tout ce qu'il a dû se dépouiller. Familia. Famille. Tiempo. Temps. Riquezas. Richesses. Lujos. Luxe. Poder. Pouvoir. Conocimiento. Connaissance. Y todo lo puso a los pies del Señor. Et il a tout mis aux pieds du Seigneur. Para servir al Señor. Pour servir le Seigneur. Porque el Señor el día que llegó a su corazón le mostró el camino de la eternidad. Parce que le Seigneur le jour où il est arrivé dans son cœur, il lui a montré le chemin de l'éternité. Cosas que creo que tú y yo muy pocos tenemos. Chose que je pense que toi et moi on est peu à la voir. Tú y yo tenemos mentalidad de corto plazo. Toi et moi, on a cette mentalité de court terme. De microondas. De micro-ondes. Todo es para allá. Tout est pour maintenant. Inclusive, et même, cuidado con lo que voy a decir. Attention avec ce que je vais dire. Ay, sí, que venga el Señor Jesucristo ya. Oh oui, que le Seigneur Jésus-Christ y vienne maintenant. Pero eso es por tu comodidad y por tu interés, porque tu corazón está lejos realmente de que el Señor venga. Et ça, c'est par commodité, par ton intérêt, parce que ton cœur peut être très loin d'avoir vraiment envie que le Seigneur vienne. Porque tú y yo queremos que se nos acaben los problemas y que todo este mundo ya acabe y entonces sí vamos a estar allá arriba para estar más cómodo, porque somos cobardes, hermano. Parce que toi et moi on en a marre de nos problèmes, on veut que ça se finisse et on préfère être là-haut confortable, parce que toi et moi on manque de courage, on est lâche, et c'est vrai. Que la iglesia y el espíritu dice ven Señor Jesús. Que l'église et l'esposa, ¿sí o no? Que l'épouse dit viens Seigneur Jésus. Yo no le voy a decir espérate Señor Jesús. Je vais pas dire attends un petit peu Seigneur Jésus. Y ahí sí voy a vivir mi vida como que si este fuera mi último día en la tierra, evangelizar y a compartir con todo el mundo. Ah oui, je vais vivre ma vie comme si c'était le dernier jour, à évangéliser et partager à tout le monde. Compartiéndole de Cristo a todo el mundo. En partageant de Christ à tout le monde. Vamos a Primera de Corintios 2:9, por favor. Et on va lire Première de Corinthiens 2:9, s'il vous plaît. Lo que pasa es que tú y yo. Ce qui se passe, c'est que toi et moi. No nos metemos con Dios. On ne rentre pas avec Dieu. Y no tenemos el entendimiento de lo que va a ocurrir en esa eternidad. Et on n'a pas cette compréhension de ce qui va arriver dans cette éternité. Et le Seigneur nous le dit. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Jesús, voz dura, por favor. Avec une très forte voix, pero s'il te plaît. Dura. Très forte. Dios ha preparado para los que lo aman.
Familia, esa es nuestra herencia. Famille, ça c'est notre héritage. Nuestra herencia no es un carro, una casa, un título. Notre héritage, c'est pas une voiture, une maison, un diplôme. Son cosas increíbles que tú y yo ni siquiera tenemos ni la más mínima idea de lo que hay arriba. Ce sont des choses incroyables dont toi et moi nous avons même pas la moindre idée de ce qui va arriver. El Señor nos ha preparado cosas que ningún ojo ha visto. Le Seigneur nous a préparé des choses qu'aucun œil a vues. El Señor te ha preparado cosas que ni siquiera tú nunca habías escuchado. Le Seigneur t'a préparé des choses dont tu n'avais jamais entendu. Pero seguimos aferrados a lo terrestre. Mais on continue à s'attacher au terrestre. A nuestras amistades. À nos amitiés. A nuestros trabajos. À notre travail. A nuestros títulos. À nos diplômes. Y nuestras cosas. Et nos choses. Y nuestro. Et notre. Y mí. Et mon. Y todo yo. Et tout est moi. Y el Señor bien, gracias, allá arriba sentado en el trono. Et le Seigneur, merci bien, là-haut, assis sur le trône. Y el Señor nos tiene preparado una gran herencia. Et le Seigneur nous a préparé un grand héritage. A ver, ¿quién es el más rico aquí, de qui est dinero? Le plus riche ici en argent? Para pedir una ofrenda. Pour demander une no, offrande. Mentira. Non, ¿quién c'est es pas el vrai. Más rico aquí? Qui est le plus riche ici? ¿Quién tiene más trabajo aquí, más dinero? A ver. Qui a plus de travail levante et plus d'argent ici? Levante su mano que el que se considere rico. Lève allá sa main, hay uno celui que lo considera rico. Riche. Là-bas, il y en a un qu'on considère riche. ¿Cuánto es tu fondo de riqueza? C'est quoi ton fonds de richesse? Tus inversiones, ¿cuáles son tus activos? Quels sont tes actifs? Casa, carro, zapato, entre ropa, ¿cuánto? Medio millón de euros. Entre voiture, maison. Medio millón. Llega, un millón de euros. Un million d'euros. Medio millón. 500 000. Eso es basura. C'est de la poubelle. Deje de estar luchando por la basura. Et arrêtez de lutter pour la poubelle. Y luche por lo que hay en el cielo. Et lutter pour ce qu'il y a dans le el ciel. Señor lo dijo, no se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en los cielos. Le Seigneur l'a dit, ne vous faites pas des trésors sur terre, mais faites-vous des trésors dans cada le ciel. Cada ladrillo que usted manda al cielo es un ladrillo de bendición para su morada, hermano. Chaque brique que vous envoyez au ciel, c'est une brique de bénédiction pour votre demeure, mon frère. Pero seguimos con nuestra cuenta de ahorro. Mais on continue avec notre compte d'épargne. Porque no hemos entendido el plan de Dios. Parce qu'on n'a pas compris le plan de Dieu. Hébreux 13:14, por favor. Hébreux 13:14, s'il vous plaît. Ese lo leo yo. Hébreux. Hébreux 13:14, je le lis. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, éternité. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, éternité. Nuestra herencia, notre héritage, es eterna, est éternel. Es la eternidad. C'est l'éternité. Ahora, ¿qué es para nosotros la vida? Alors, qu'est-ce que pour nous la vie? Porque ahí arranca ahora otro punto de cuestionamiento para nosotros. Parce que là démarre un autre point de questionnement pour nous. ¿Qué es para ti la vida? Qu'est-ce que pour toi la vie? ¿Alguien me puede responder qué es la vida para ti, Daniel? Si quelqu'un peut me répondre, c'est quoi pour toi la vie, Daniel? Una pregunta muy complicada, ¿no? C'est une question un peu compliquée. ¿Qué es para ti la vida, Claudia? Qu'est-ce que pour toi la vie, Claudia? ¿Alguien me puede decir? Quelqu'un peut me dire? ¿Alguien tiene idea? Quelqu'un a une idée? ¿Qué es la vida? Qu'est-ce que la vie? Porque si nosotros nos vamos a la Biblia, él da un significado de lo que puede ser la vida. Parce que si on va à la Bible, il peut nous donner une signification de ce qu'est la vie. En Santiago. Dans Jacques. 4:14. 4:14. Y después le voy a decir todas las respuestas que yo he tenido de la vida. Et après je vais vous donner toutes les réponses que j'ai pu avoir face à la vie. Cuando hablo con algunos hermanos. Ah, toutes les réponses que je peux recevoir quand je parle avec certains frères. En Santiago 4:14. Alors dans Jacques 4:14. Dice en la parte segunda del versículo. Dans la deuxième partie du verset. Porque ¿qué es vuestra vida? Y aquí viene la respuesta fulminante. Car qu'est-ce que votre vie? Et là devient la réponse fulminante. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tú y yo estamos corriendo detrás de que algo que se va a desvanecer. Toi et moi, nous courons derrière quelque chose qui va disparaître. Y tú y yo hemos sido tontos, retontos y recontratontos. Et toi et moi, on a été idiots, idiots et recontre-idiots.
Porque nos han enseñado a correr detrás de algo que no tiene valor. Parce qu'on nous a enseigné à courir derrière quelque chose qui n'a pas de valeur. Para el mundo hay valor. Pour le monde, ça a de la valeur. Pero para ti y para mí en la eternidad no va a haber valor porque nada de lo que tú tengas aquí, sea que vayas al cielo, sea que vayas al infierno, te lo vas a poder llevar, hermano. Parce que pour le monde, ça a de la valeur, mais pour toi et pour moi, que tu aies une vie éternelle dans le ciel ou dans la condamnation en enfer, rien de ce que tu as construit ici, tu vas pouvoir l'emmener avec toi, mon frère. Y la forma incorrecta que nos han enseñado a ver la vida es la que más ha marcado nuestra manera de vivir la vida cristiana. Et la forme incorrecte qu'on nous a enseigné de mener la vie, c'est celle qui a le plus marqué notre manière de vivre la vie chrétienne. Por eso cada vez que yo digo la vida cristiana es fácil, veo esto. C'est pour ça qu'à chaque fois que je dis que la vie chrétienne est facile, je me retrouve avec des gens qui font ça. Porque no han colocado los ojos realmente en quien es importante realmente. Et tout le monde se moque parce qu'ils n'ont pas vraiment placé le regard sur qui est réellement important. ¿Te ha faltado comida algún día? Est-ce que de la nourriture t'a manqué un jour? ¿Te ha faltado vestido algún día? Est-ce que t'as manqué de vêtements un ¿Te jour? ¿Te ha faltado la familia algún día? Est-ce que t'as manqué de famille un jour? ¿Te ha faltado el amor algún día? Est-ce que t'as manqué d'amour un jour? ¿Te ha faltado la misericordia de Dios cada mañana? Est-ce que la miséricorde de Dieu t'a manqué chaque matin? El propósito de Dios va más allá de lo que tú estás viviendo aquí que se va a desvanecer. Le but de Dieu va au-delà de ce que tu es en train de vivre ici qui va disparaître. Pero, mais eso viene a través de la renovación, transformando nuestros pensamientos, no amoldándonos este siglo. Ça vient par le renouvellement, en transformant notre pensée et pas en les adaptant à ce siècle. Y no hemos entendido que en la Biblia aparecen unos enfoques que son primordiales para nosotros. Et nous n'avons pas compris que dans la Bible apparaissent des focus qui sont primordiaux pour nous. Quiero que lo anote, primordial. Et j'aimerais que vous le notiez, s'il vous plaît. Y me gustaría que lo anote. Et notez-le, s'il vous plaît. La vida es una prueba, hermano. La vie est une épreuve, mes frères. Qui le croit? Seguro. Vous le croyez? Vous êtes sûr? Amen. La vida es una prueba. La vie est une épreuve. Jacob fue probado. Jacob a été mis à l'épreuve. Abraham fue probado. Abraham a été Eva fue probada. Mise à l'épreuve. Eve a été mise à l'épreuve. Jesús fue probado. Jésus a été mis à l'épreuve. No Jesús, Jesús, sino Jesús Gutiérrez. Pas Jésus, notre Jésus, mais Jésus Gutiérrez. Todos hemos sido probados y somos probados. Et on a tous été mis à l'épreuve et on est el tous mis à l'épreuve. Le problème es que tú y yo no lo hemos entendido que estamos en una escuela. Et le problème c'est que toi et moi nous n'avons pas compris qu'on est dans une école. Y le hemos dado importancia a la muerte. Et on a donné de l'importance à la mort. Porque voy a morir, tengo que vivir. Et parce que je vais mourir, je dois vivre. Y porque voy a morir, tengo que disfrutar. Et parce que je vais mourir, je dois profiter. Y porque voy a morir estos 30, 40 años tengo que vivir la vida loca como me dé la gana a mí. Et parce que je vais mourir, alors ces 40, 50 ans je dois vivre la vie folle comme Pero no hemos entendido lo que es el verdadero significado de la muerte. Mais nous n'avons pas compris quelle est la véritable signification de la mort. Mort. ¿Qué es la muerte? Qu'est-ce que la mort? Es una transición, hermano. C'est une transition, mes frères. Nuestro cuerpo se pudre, pero nosotros seguimos viviendo, no estamos muertos. Notre corps est pourri, enfin devient pourri, mais on continue à vivre, on continue à vivre. Nosotros seguimos en vida. On continue à être en vie. La muerte es una transición de estado. La mort c'est une transition d'état. Así como vinimos y fuimos engendrados y hubo un periodo de gestación y salimos como bebé, vamos a crecer, vamos a morir y después vamos a ser transformados para disfrutar la eternidad. Tout comme on a été créé par un processus de gestation avant de venir ici sur terre et après on naît et après on meurt et après on va continuer à vivre mais dans l'éternité. Y en ese momento que estamos en la vida, et dans ce moment où on est dans cette vie, hay maternel, que son los grados aquí en Francia. C'est quoi les classes ici en France? La crèche, la maternelle, primaire, moyenne section, grande section, qué más después? Primaire, CP, CP1, CP2, CP3, CP4, CP2, CP3, CP4. Maternel 1, maternel 2, maternel 4, maternel 10. El colegio 1, colegio 2, colegio 3, hasta así. Y después ya creemos que todo acabó, ¿verdad? No, mamolas, hay après, universidad todavía. Que tout est fini? Non, il y a encore l'université. Y después de la universidad hay algunos locos que si se van para el máster, PhD, JK, LML, lo que usted quiera. Et après l'université, il y a les fous qui partent en master, PhD, JKL, est-ce que vous voulez. ¿Cuál es el lugar más alto de la universidad aquí? Et quel est le haut, le grade le plus haut de l'université ici? Un doctorado. Un doctorat. Usted alcanza el doctorado. Vous atteignez le doctorat. Y. Et. Porque después usted tiene que ir allá arriba. Parce qu'après vous devez vous retrouver là-haut. Y depende de lo que usted aprendió aquí. Et selon ce que vous avez appris ici. Usted va a vivir allá. Vous allez vivre là-bas.
Depende de lo que usted vive aquí. Selon ce que vous vivez ici. Usted va a presentar pruebas allá. Vous allez présenter des épreuves là-bas. Pero no son que si. A ver, Claudita, ¿qué tal? Dígame, ¿cómo te fue en la universidad con la lengua española, con el PhD, para que seas traductor oficial de la ONU? Claudia, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris à l'université en PhD pour que tu sois traductrice à l'ONU? Non. Usted puede ir como un ignorante. Vous pouvez y aller comme un ignorant. Pero con un corazón para el Señor. Mais avec un cœur pour le Seigneur. Eso era Pedro. Ça, c'était Pierre. Un hombre sin letra, sin estudio. Un homme sans études, sans lettres. Lo opuesto a lo que era Pablo. Opposé à ce qu'était Paul. Era un pobre pescador. Il était un pauvre pêcheur. Cuidado cuando digo pobre. Et attention avec ce que je dis quand je dis pauvre. Delante de las riquezas que podía tener Pablo, este era un pobre pescador. Face aux richesses que pouvait avoir Paul, c'était un pauvre pêcheur. Ni se veía hablar, él hablaba. ¿Qué fue? Et il savait même pas parler, il parlait comme ça. Y si fuera en francés, ¿qué es que vous voulez que je dise? ¿Qué es que vous voulez? Él podía hablar con todos los errores ortográficos. Il pouvait parler avec toutes les erreurs orthographiques. Pero con un corazón en las manos de Dios. Mais avec un cœur dans les mains de Dieu. Porque él se estaba preparando para allá. Parce qu'il se préparait pour là-bas. Por eso Jesús le dijo, mira, me han venido a pedirme tu vida para zarandearte, para probarte. No te preocupes, no vas a desmayar. Yo te voy a sostener. La fe no te va a faltar. C'est pour ça que Jésus lui a dit, écoute, on est venu me demander ta vie pour te faire tomber, mais ne t'inquiète pas, moi je vais être là pour te soutenir. Pendiente aquí. Attentif ici. Nuestra vida es una prueba. Notre vie est une épreuve. Y cada día el Señor nos va a probar. Et chaque jour le Seigneur va nous mettre à l'épreuve. Él no nos va a meter en tentación. Il va pas nous livrer en tentation. Pero él sí va a permitir que seamos probados. Mais il va permettre qu'on soit mis à l'épreuve. Y en la Biblia hablan más de 200 veces las palabras prueba, probar, tribulación, aflicciones. Et dans la Bible on parle beaucoup de fois d'épreuves, de preuves, de tribulations, d'afflictions. Porque el Señor quiere probar nuestro carácter. Parce que le Seigneur veut mettre à l'épreuve notre caractère. Nuestra inteligencia. Notre intelligence. No la inteligencia de conocimiento, porque conocimiento envanece. Hay muchos que son inteligentemente brutos. Pas l'intelligence de connaissance, parce qu'il y en a qui sont intelligemment stupides. Lo único que saben es solamente conocimiento cultural. Qui savent seulement de la connaissance culturelle. Y al Señor lo que le interesa es que lo entiendas y lo conozcas a él. Et le Seigneur, ce qui lui intéresse, c'est que tu le comprennes et que tu le connaisses lui. Y eso no lo logra todo el mundo, hermano. Eso es privilegio de muy pocos. Et ça, tout le monde n'y arrive pas. C'est un privilège pour peu. Porque el Señor quiere probar tu fe. Parce que le Seigneur veut mettre à l'épreuve ta tu foi. Tu obediencia. Ton obéissance. Tu integridad. Ton intégrité. Tu fortaleza. Ta forteresse. Tu firmeza. Ta fermeté. La templanza que tienes. La tempérance que tu y as. Y él siempre te va a permitir que seas probado en cualquier área. Et il va toujours permettre que tu sois mis à l'épreuve dans n'importe quel domaine. Enfermedades. Dans les maladies. Conflictos, conflits, discussions, desavenencias amorosas, des désastres amoureux, confusiones, des confusions. Él te va a probar también en las áreas de saber si tú estás preparado en la enfermedad. Il va aussi te mettre à l'épreuve de savoir si tu es prêt dans la maladie. Porque tú y yo tenemos que estudiar la Biblia, hermano. Parce que toi et moi nous devons étudier la Bible, mes frères. La Biblia habla de todos los niveles. La Bible parle de tous les niveaux. Espíritu a mi cuerpo. Esprit à mes corps. Pero tú y yo nos quedamos en el cuerpo. Mais toi et moi on reste dans le corps. Dame, dame, dame. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dame a mí, dame a mí, dame a mí. Donne-moi, à moi, à moi. Y algunos van más allá con el alma. Et certains vont un peu au-delà avec l'âme. Cámbiame. Change-moi. Lléname. Remplis-moi. Háblame. Parle-moi. Dame. Donne-moi. Y todo es mí. Et tout est moi. Y todo soy yo. Et tout est moi, je. Y en lo espiritual que el Señor dice, conóceme. Et dans le spirituel où le Seigneur dit, connais-moi. Cuando llega la enfermedad a tu vida y Dios no quiera que llegue, ¿estás preparado para saber cómo vas a responder ante esas pruebas que el Señor te va a permitir? Quand arrive une épreuve de maladie dans ta vie et que Dieu ne le veuille pas, est-ce que tu es réellement préparé à répondre à cette épreuve que Dieu va te placer? Cuando Dios no quiera y a ti te lleguen a raspar en la universidad y no obtengas el título, ¿estás preparada para ver cómo vas a reaccionar con Dios, no con el mundo? Et si Dieu
Porque la Biblia dice cómo debemos reaccionar ante todo eso. Et si à l'université, que Dieu ne le veuille pas, on te fait rater ton diplôme et tu ne l'obtiens pas, est-ce que tu es prête à avoir une attitude face à ça? Parce que la Bible, elle nous le dit. Cuando te vas a enfrentar un divorcio, quand tu vas t'affronter un divorce, yo me divorcié, moi j'ai été divorcé siendo cristiano, en étant chrétien. Mi esposa me dejó, mon épouse se m'a laissé fue con un embarazo, et elle est partie en étant enceinte. ¿Cuál iba a ser mi actitud? Quelle allait être mon attitude? Mátenla, tuez-la, apedréenla, jetez-lui des pierres. Y aquí frente a las cámaras lo puedo decir libremente. Et je peux le dire ici librement devant les caméras. Aún sabiendo que puedo estar embarazada, puedes permanecer y vamos a rehacer lo que el Señor dijo. Même en sachant que tu es enceinte, on peut rester et faire ce que le Seigneur a dit. La persona después se fue. Et après, la personne, elle est partie. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. El Señor nos va a probar en todo, hermanos. Le Seigneur va nous mettre à l'épreuve dans tout, mes frères. El Señor quiere ver realmente si lo que Él ha hablado, lo que Él te ha dicho, lo que Él escribió en la Biblia, está en tu corazón. Le Seigneur veut voir si réellement ce qu'il a dit, ce qu'il a parlé, ce qui est réellement écrit dans la Bible est dans ton cœur. Inclusive el Señor va a demorar algunas respuestas a tus oraciones. Et le Seigneur va même mettre du temps à répondre à certaines de tes prières. Porque él quiere saber si eres un hombre constante o inconstante. Parce qu'il veut savoir si tu es un homme constant ou inconstant. Si porque muchos de nosotros hacemos oraciones banales y después de dos, tres meses, ay, el Señor no me respondió, eso no era de Dios. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous, on fait des prières qui sont banales et après deux, trois mois, on se dit, oh, bah, le Seigneur, il ne m'a pas répondu, ¿verdad? Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Y jugamos con Dios. Et on joue avec Dieu. Y ya es hora de que tú y yo seamos hombrecitos. Et il est temps que toi et moi, on soit des petits hommes. Cristianos. Des chrétiens. Para el Señor. Pour le Seigneur. Firmes. Fermes. Ante todas las pruebas. Face toute épreuve. En integridad. En intégrité. En conocimiento en del connaissance Señor, du Seigneur. En manejo de la palabra. Dans la gestion de la en parole. En la manipulación de la espada como ataque. Dans el reino contraataque. Si no tienes contacto con la Biblia, ¿qué contraataque vas a iniciar tú, hermano? Dans la manipulation de l'épée qui est la parole de Dieu, si tu n'as pas un contact avec la parole de Dieu, quel genre de contre-attaque est-ce que tu vas avoir toi? Nosotros siempre estamos siendo formados. On est toujours en train d'être todos formés. Los días. Tous les jours. Para ver qué etapas superamos. Pour voir quelles étapes on surpasse. Y las etapas que no superamos. Et les étapes qu'on ne surpasse pas. Y las etapas que no surpasse pas. Et les étapes qu'on ne surpasse pas. Y las etapas que no surpasse pas. Otra vez. Et les étapes qu'on ne surpasse pas. Y las etapas que no pasamos. La vamos a volver a presentar. On va les repasser. Es fácil la vida cristiana. C'est facile la vie chrétienne. Si te divorciaste y no aprendes, te vas a tener que volver a divorciar, hermano. Si tu divorces et t'apprends pas, tu vas devoir redivorcer. Si no sabes administrar tus finanzas, el Señor te va a volver a llevar a otra quiebra para que aprendas, hermano. Si tu ne sais pas comment gérer tes finances, le Seigneur va te permettre une autre banqueroute pour que tu puisses apprendre à gérer tes finances. Yo no pasé el código de la ruta y me hicieron otra vez el examen, pero no me lo hicieron de matemática, me lo hicieron de código de la ruta. J'ai raté le code une première fois et on m'a refait passer un examen de code et pas de mathématiques. Porque inclusive a veces Dios nos prueba aún en el silencio que él a veces pone. Et parfois même Dieu nous met à l'épreuve dans le silence qu'il présente. Et avec ça, je finis, on laisse le reste pour la semaine prochaine. Vous savez pourquoi? Porque el Señor a veces hace lo que le hizo el rey Ezequías. Parce que parfois, le Seigneur fait ce que fait le roi Ezequías. Il était malade. Busquemos segunda de Crónicas 32-31. On va chercher 2 Chroniques 32-31. En la prédica que una vez hicimos, el testigo silencioso, ahí compartimos de él. Et une fois qu'on a fait la prêche, le témoin silencieux, on a partagé sur ça. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿Cuál es? Segunda de Crónicas 32-31. Alors, 2 Chroniques 32-31. ¿Alguien lo tiene? Si quelqu'un l'a. Rapidito, por favor. Jesús, léelo. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, por favor. Duro. Dios lo dejó.
Dieu l'abandonna para probar al rey Ezequías, pour l'éprouver le roi Ezequías, porque él sabía lo que había en su corazón y necesitaba que Ezequías sacara de su corazón la basura que había. Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans son cœur et il avait besoin qu'Ezequías sorte toute cette poubelle qu'il avait a dans son cœur. A veces tenemos que sacar basura que nosotros no sabemos que es basura en nuestras vidas. Et parfois nous devons sortir cette poubelle que nous ne savons même pas que c'est de la poubelle, des déchets dans nos vies. A veces tenemos que deslastrarnos de todo aquello que nos estorba la comunión con Dios. Et parfois on doit se débarrasser de tout ce qui vient empêcher notre communion avec Dieu. Lo que usted ponga por encima de Dios, et tout ce que vous mettez au-dessus de Dieu, Dios lo va a tumbar, hermano. Dieu va le faire tomber. Coloque una persona y el Señor tumba la persona. Coloque el trabajo, el Señor te quita el trabajo. Coloque el estudio, el Señor va a hacer que raspe tu estudio. Mets une personne au-dessus de Dieu et le Seigneur va te faire perdre cette personne. Mets ton travail au-dessus de Dieu et le Seigneur va te faire perdre ce travail. Mets tes études au-dessus de Dieu et le Seigneur va te faire rater tes études. Porque con el Señor no se juega. Parce qu'avec le Seigneur, on ne joue pas. Ezequías fue alguien como tú y como yo. Et vous savez, Ezequías a été quelqu'un comme toi et moi. Vino el profeta a decirle, la pelona viene por ti esta noche, hermano. Et le prophète est venu lui dire... La pelona viene por ti esta noche, la muerte. La mort vient pour toi. Prepárate. Ce soir, prépare-toi. ¿Y saben qué hizo el rey Ezequías? Et vous savez ce qu'a fait le roi Ezequías? Lo que tú y yo hacemos, lo que dijo Elizabeth, yo voy a llorar. Ce que toi et moi on fait, ce qu'a dit Elizabeth, on va prier. On va Pero pleurer, Elizabeth, pardon. Mais Elizabeth, Ezequías no fue a buscar a su familia. Ezequías n'est pas parti chercher sa famille. Ezequías se fue y se clavó de rodillas. Ezequías, il s'est cloué à genoux. En su cama se volteó y tuvo una conversación con Dios. Dans son lit, il s'est retourné et il a eu une conversation avec Dieu. C'est bien d'aller chercher la famille. Pero tu familia no es más importante que Dios. Mais ta famille n'est pas plus importante que Dieu. Es bueno irte a la playa. C'est bien d'aller à la plage. Pero la playa no es más importante que Dios. Mais la plage n'est pas plus importante que Dieu. Lo primero que hay que hacer es buscar al Señor a ver qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme con esto. La première chose que je dois faire, c'est chercher le Seigneur pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur me fait passer par tout ça et qu'est-ce qu'il veut m'enseigner. Y nuestra relación es, nuestra reacción, perdón, es hágase conforme a tu voluntad, Señor. Et notre réaction c'est que sa que ta volonté soit faite, Seigneur. Pero mais Dios, Dieu, ayúdame. Aide-moi. Dame unos años más de vida. Donne-moi quelques années de plus de todavía vie. Tengo que arreglar muchas cosas en mi familia. Je dois encore régler beaucoup de choses dans ma famille. Aquellos padres que no les gustan arreglar sus cosas, sus herencias, sus cuentas bancarias, sus claves, aquellos hijos que tienen todo bloqueado, hermano, pónganse unos a otros en ayuda, porque usted nunca sabe cuándo le van a pedir, cuándo viene la pelona a pedirle la vida. Pour ceux qui se cachent des comptes, des codes, les enfants qui cachent les codes de leurs choses aux parents, eh bien non, mettez-vous en compte parce que vous savez pas quand est-ce que la mort peut venir toucher à votre vie. ¿Qué hacemos si mi hija se llega a morir y en su cuenta quedan 3 millones de euros? ¿Quién tiene acceso? El gobierno. Qu'est-ce qu'on fait si ma fille elle meurt et que sur son compte elle a 3 millions d'euros? Qui garde l'argent? Le gouvernement. Padres. Parents, tengan acceso a sus cuentas bancarias de sus hijos. Ayez accès aux comptes bancaires de vos enfants. No para desplumarlos. ¿Qué es eso? Cuando tengan acceso es para que sepan cuáles son los códigos y las cosas para poder manejar ustedes las cuentas. Pas pour prendre l'argent, mais que vous ayez accès aux codes et à tout ce qui se fait dans leurs comptes. Hijos, tengan acceso a las cuentas de sus padres. Enfants, ayez accès aux comptes bancaires de vos parents. También. Aussi. Conozcan sus claves. Connaissez leurs codes. Ese es un invento del diablo, esas claves secretas en la familia. Ça, c'est une invention du diable, les codes secrets dans les familles. Rompa ese teléfono, hermano. Cassez ce téléphone. O me das la clave o te lo rompo. Ou tu me donnes le code ou je le casse. Non, faltaría c'est pas la matraca. No, no, no. Mentira. No, 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 c'est pas vrai. Pero sí, hermano, prepárense. Mais oui, mes frères, préparez-vous. Porque nuestra vida no sabemos en qué momento viene. Y Ezequías le dijo, Señor, ayúdame. Parce que notre vie, on ne sait pas à quel moment on peut la perdre. Ezequías a dit, Seigneur, aide-moi. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Et tu sais ce qu'a fait Ezequías? El Señor le concedió la oración. Le Seigneur a répondu à sa prière. Le concedió. Il a accepté. Le hizo así con su cetro. Il a fait comme ça. Te concedo 15 años más de vida. Je te donne 15 ¿verdad? Ans de vie de plus. Lo repetimos. On le répète. Le hizo así. No, no. Hermano, una mano de él debe doler, hermano. 15 años más de vida le dio el Señor, le dio tremenda bendición, hermano. 15 ans de plus de vie, le Seigneur lui a donné une grande bénédiction, mes frères. Pero ¿saben qué pasó? Mais vous savez ce qui s'est passé? Como todo lo que ocurre con el ser humano. Comme tout ce qui arrive avec l'être humain. Recibimos las bendiciones. On reçoit les bénédictions. Y nos volvemos locos. Et on devient fou. Dígale al de lado, tú sí eres loco. Et dis à ton voisin,
T'es un fou. El Señor te ha bendecido mucho. Le Seigneur t'a beaucoup béni. No seas loco. Sois pas fou. Loco, loquito, loco. Fou, petit fou, fou. Es hora de que reacciones. Il est temps que tu réagisses. ¿Saben por qué? Vous savez pourquoi? Porque el Señor dice que luego se apartó de Ezequías. Parce que le Seigneur dit qu'après il s'est écarté d'Ezéchias. Porque quería conocer lo que Ezequías iba a hacer. Parce qu'il voulait voir ce que Ezéchias allait faire. ¿Y saben? Et vous savez, en ese momento, dans ce moment, es el momento más peligroso de todo cristiano. C'est le moment le plus dangereux de tout chrétien. Cuando Dios se aparta de uno. Quand Dieu s'écarte de soi. ¿Saben por qué? Vous savez pourquoi? Porque el Señor va a ver tu corazón. Parce que le Seigneur va voir ton cœur. Y el Señor quiere ver cómo vas a reaccionar. Et le Seigneur veut voir comment tu vas réagir. A ver si realmente eres hijo de Dios. Pour voir si réellement tu es fils de Dieu. Porque si eres hijo de Dios, parce que si tu es un fils de Dieu, cuando usted deja un niño ahí y le dice, ya yo vengo. ¿Qué? Cuando usted deja un niño allí y le dice ya yo vengo. Quand vous laissez un enfant là et vous lui dites je reviens. ¿Qué hace el niño? Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Espera que su padre vuelva, hermano. Il attend à ce que son père revienne. Tiene confianza. Il a confiance. Cuando usted a su hijo lo monta en la piscina y le dice lánzate que no te va a pasar nada y usted está dentro, ¿qué hace el niño? Confía en su papá. Quand il est dans la piscine et que vous lui dites lance-toi, t'inquiète pas, et vous êtes à l'intérieur en train de l'attendre, l'enfant qu'est-ce qu'il fait? Il saute parce qu'il a confiance en son papa. Y a veces el Señor tiene que quedarse calladito. Et parfois le Seigneur doit rester sans rien dire. Ya el Señor te ha dado la orden, hermano. Dieu t'a déjà donné l'ordre, mon frère. Todos la cara, et là, regardez-moi tous dans les yeux. El Señor ya te ha dado la orden. Le Seigneur t'a déjà donné l'ordre. Ahora él está en silencio. Maintenant, il est en silence. Esperando a ver si de verdad creemos y confiamos en él. En attendant de voir si réellement on a confiance et nous croyons en lui. Faltarían dos puntos más, pero lo vamos a dejar la próxima semana con el resumen. Il reste deux points à traiter, mais on va le laisser pour la semaine prochaine. ¿Qué daño nos ha hecho el mundo? Quel mal nous a fait le monde? ¿Cómo orábamos ante el Padre nuestro? Comment est-ce qu'on priait avant le Notre Père? ¿Alguien me puede decir cómo se ora el Padre nuestro? La parte final. Quelqu'un peut me dire de comment on prie la prière de Notre Père? ¿Alguien puede buscarme la oración del Padre Nuestro en la Biblia rapidito, por favor? ¿Quelqu'un peut me chercher la prière de Notre Père dans la Bible, s'il vous plaît, à la vitesse de la lumière? Porque muchos de nosotros tenemos un mal concepto. Parce que beaucoup d'entre nous avons un mauvais concept. Que nos hicieron daño los católicos. Qui nous a fait mal aux catholiques. Qui a fait mal aux catholiques. Que el Señor nos tiente, hermano. Que le Seigneur nous tente. El Señor nous tente. Es que el Señor me está tentando. Ah, mais c'est que le Seigneur me tente. El Señor no tienta a nadie. Le Seigneur ne tente personne. El Señor no es capaz de tentar porque él dice la Biblia y vamos a leerlo en el versículo. Le Seigneur n'est pas capaz de tentar, dijiste. Le Seigneur n'est pas capable de nous tenter, on va le lire. Dos personas, aparte el que me está buscando el versículo del Padre Nuestro. 1 Corintios 10:13, Jesús, Ana Karina, Santiago 1:12, por favor. ¿Ustedes me regalarían 10, 15 minutos más o quieren que terminemos? Ustedes me dicen. Est-ce que vous me donnez 10, 15 minutes de plus ou vous voulez qu'on arrête là? Vous me dites. Ustedes me dicen. Vous me dites. ¿Podemos seguir? On peut para continuer? No dejarlo porque ya lo que falta es poco. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps, enfin il reste pas beaucoup de points à traiter. ¿Consiguieron la del Padre Nuestro? Vous avez trouvé la prière de Notre Père? ¿Alguien la puede leer? Si quelqu'un peut la lire. Sin máscara, con voz dura, por favor. Sans masque et avec une voix dure, s'il vous plaît. Forte. La cita. La parte de abajo, la parte final, por favor. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. El Señor no nos va a tentar. Le Seigneur ne va pas nous tenter. No me dejes caer en la tentación. Ne me laisse pas tomber dans la tentation. El Señor nunca te va a meter en una tentación. Le Seigneur ne va jamais te faire rentrer dans une tentation. Puede permitir que te vengan a tentar. Il peut permettre qu'on vienne te tenter. Y él lo va a hacer con dos principios y con dos formas. Et il va le faire avec deux principes et deux formes. Et pour deux raisons. 1 Corintios 10:13. 1 Corinthiens 10:13. ¿Qué dice Jesús? Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
el Señor cuando nosotros nos metemos en esos vaporones y el mundo, Satanás, la carne nos tienta y el Señor lo permite, el Señor ya nos pone la salida para que salgamos de esa tentación. Quand on rentre dans tout ce qui, quand on se laisse emmener par le monde, par Satan et qu'on fait face à des tentations, le Seigneur, même s'il le permet, il nous donne la sortie pour qu'on puisse fuir à cette tentation. Familia, si tus amigos son de tentación, tus amigos son de tentación, ya tienes la salida, con apartarte tienes. Famille, si tes amis sont de tentation, tes amis sont de tentation, no. Tu as la sortie, il faut t'écarter et voilà. Tu fais ça. Facile. Familia, si tú estás pasando enfrente de un prostíbulo y estás siendo tentado, tienes la solución en las manos, con dar vuelta al volante y por otra calle tienes. Si tu passes devant une maison close et tu es en train d'être tenté, tu fais tourner ton volant et tu t'écartes et tu pars d'un autre côté. Eso es como cuando la gente ayuna los miércoles y los miércoles se le ocurren juntamente cuando ayuna buscar todas las recetas de cocina, preparar todas las tortas del mundo para romper el ayuno, están preparando el almuerzo desde el mediodía para la noche y usted está seguido con esa tentación y aquella boca llena de saliva, hermano. C'est comme quand vous êtes le mercredi en jeûne et là tout le monde a l'idée de chercher les meilleures recettes du monde, de préparer le dîner dès le matin, de préparer les meilleurs gâteaux. El Señor te ha dado la salida. Le Seigneur t'a donné la sortie. El Señor te ha dado la salida. Le Seigneur t'a donné la sortie. El Señor te ha dado la salida. Le Seigneur t'a donné la sortie. Úsala, no seas bête. Utilise-la, ne sois pas tonto. No seas necio. Ne sois pas idiot. Ese es peor. Ça c'est pire. Sea astuto, hermano. Sois astucieux. Yo escuché a una persona decir, no, es que yo soy más astuta que Satanás. No, 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 hermano, cuidado. No, j'ai entendu une personne dire, non, moi je suis plus astucieuse que Satan. Non, Satanás non, non, es non, astuto. Non. Satan, il est astucieux. Y él sabe en qué momento esperar para darnos el zarpazo. Et il sait quel moment attendre pour nous donner un coup. Oye las palabras de Dios, oye las palabras de tu pastor. Alors écoute les paroles de Dieu, écoute les paroles de tes pasteurs. Porque la salida Dios ya te la ha dado en tus manos. Parce que la sortie Dieu te l'a déjà donnée entre tes mains. Y cuando el Señor te la da. Et quand le Seigneur te les donne. Así te lo digo, usa la P. Utilise-la, P. En colombiano. Mi hijo, vea, úsela. ¿No es así, Daniel? ¿Cómo es en francés? Úsala. Utilise-la. Utilise-la. Allá arriba. Mexicano. Úrale, mano, úsela. En República Dominicana, ¿cómo es? Allá, Alvin. Pero dime, loco, úsala. Pero dímelo. La salida la tenemos y en Santiago 1:12 ¿qué dice, Ana Karina? Et dans Jacques 1:12 la sortie nous l'avons. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Jacques, Ana Karina? Wow. Wow. El Señor no solamente nos da la salida, sino que nos da la victoria para poder vencer. Le Seigneur ne nous donne pas seulement la sortie, mais en plus il nous donne la victoire pour pouvoir vaincre. El Señor ya nos ha dado todo en las manos. Le Seigneur nous a déjà tout donné entre les mains. El problema es cuál es la visión que tú tienes de Dios. Le problème c'est quelle est la vision que tu as de Dieu. Segundo punto. Deuxième point. O enfoque que la Biblia tú y yo debemos de sacar. Ou focus que nous vimos devons. Que estamos en una prueba, ¿verdad que toi sí? Et moi sortir. Alors on a vu qu'on était dans une épreuve. Ahora la vida es como un fideicomiso. ¿Cómo qué? Fideicomiso. No sé cómo se dice en francés, arréglenselo ustedes. No, no. Busquen rapidito Google. Cherchez rapidement dans Google. Yo no lo entiendo. Para las cosas del mundo son rápidos con Google. Para las cosas del Señor todo se vuelve. Busquen Google ahí. Cherchez vite dans Google. Fideicomiso. ¿Qué dice de fideicomiso? No, no, pero no en francés, sino que me digan para que la gente entienda y así le explicamos. Un fideicomiso. Un fideicomis. ¿Ya lo consiguieron? ¿Vous l'avez trouvé? En español. En español. Significado de fideicomiso. La definición de fideicomis. Sí, es cuando le dejas tu herencia a otra persona. Dale, Willy. Yeah.
Páralo allí. Disposition par laquelle une personne gratifie quelqu'un d'un bien pour qu'elle le remette à un tiers. Perdón. ¿Ya lo leíste? En conclusión, es alguien que te da algo para que tú hagas algo. En conclusion, c'est quelqu'un qui te donne quelque chose pour que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Todo proviene de Dios. Tout provient de Dieu. Anótelo. El Notez-le. Señor te ha dado los dones. Le Seigneur t'a donné los les talentos, dons, les talents, las finanzas. Les finances. Tú y yo somos mayordomos. Et toi et moi nous sommes majordomes. Gerentes. Des gérants. Administradores de los bienes de Dios. Des administrateurs des biens de Dieu. De los hijos. Des enfants, del título, du diplôme. ¿Para qué te ha dado trabajo? Pourquoi est-ce qu'il t'a donné un travail? ¿Para que amases riquezas en tu casa y el diezmo bien gracias y muchos roban el diezmo en la iglesia? Pour que tu puisses accumuler les richesses Uy, chez toi. De diezmo, ya me tengo que ir de la iglesia. Et les dîmes, Dieu merci, et tu voles ¿verdad? À l'église sans donner tes dîmes? Los diezmos le pertenecen al Señor, no son suyos. Les dîmes appartiennent au Seigneur, c'est pas les vôtres. Malaquías 3:10, maldito sois con maldición porque la nación toda me ha robado en vuestros diezmos y ofrendas, hermano. Malaquías 3:10, je maudis votre nation parce que vous m'avez volé à travers les dîmes que vous n'avez pas donné. Pero ese fideicomiso lo queremos para nosotros engordar nuestras cuentas para utilizarnos nosotros para nuestro retrés, para nuestra vejez. Mais ce fideicomis, on le veut nous pour engrossir nos comptes, pour pouvoir utiliser nos comptes pour nous-mêmes et pour pouvoir vivre dans notre vieillesse. Y le robamos a Dios. Et on vole à Dieu. Y la nación le ha robado al Señor. Et la nation a volé au Seigneur. ¿Te ha dado dones para qué? Il t'a donné des dons pour quoi? Para que la gente diga qué bonito canta, qué bien tocas. Pour que les gens disent ah tu joues bien, ah tu chantes bien. Para non. Que lo utilices en el mundo. Pour que tu l'utilises dans le monde, para jalar a la gente del mundo hacia Dios, pour hermano. Tirer les gens du monde vers Dieu, mes frères. El Señor no te ha dado talento en la peluquería, en la barbería, para que ustedes corten pelo solamente. Ustedes tienen que ser personas que arrastren gente a los pies de Cristo. Le Seigneur ne vous a pas donné un talent pour que vous coupiez juste des cheveux dans une dans un barbeur. Non, pour que vous puissiez ramener des gens pour Christ. Ustedes son personas que trabajan no en la limpieza, no en la construcción, no cuidando niños, no siendo en los restaurantes. Ustedes son personas que bendicen a través de lo que ustedes dan a la gente. Vous n'êtes pas simplement des personnes qui travaillent dans la construction, le nettoyage, la garde d'enfants, non. Vous êtes des personnes que Dieu a placées pour que vous soyez des bénédictions pour les gens. Tú y yo somos administradores de algo que el Señor nos dio en herencia. Toi et moi, nous sommes des administrateurs de quelque chose que le Seigneur nous a donné par héritage. Ay, Señor. Ay, Seigneur. Salmo 24:1, ya vamos a terminar. Psaume 24:1. Et on va finir. ¿Qué dice? Yo lo leo si quiero. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Del Señor es todo. Tout appartient au Seigneur. Todo le pertenece al Señor, lo dice la Biblia, no lo dice el pastor, hermano. Tout appartient au Seigneur, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la Bible. Su vida, su trabajo, sus hijos, su familia, sus dones, sus talentos, sus finanzas, su tiempo. Votre vie, votre travail, vos amis, votre famille, vos enfants, votre finance, votre travail, vos y études, yo siempre votre escucho temps. A la gente cuando uno le dice algo bueno, pastor, déjeme orar, déjeme que el Señor me confirme. Et à chaque fois qu'on dit quelque wow. chose aux gens, ils me disent "Non, mais pasteur, je sais pas, laissez-moi prier, laissez que le Seigneur me confirme ça." Cuando el Señor me revele el diezmo, yo daré el diezmo. Quand le Seigneur me révèle la dîme, je donnerai la dîme. El Señor no se lo va a revelar. Eh ben, le Seigneur va pas vous le révéler. El Señor ya lo dejó escrito en la Biblia. Le Seigneur l'a déjà écrit dans la Bible. El que se lo tiene que revelar es su avaricia. Ce qui doit vous le révéler, c'est votre avarice. Más nada. Rien d'autre. Y como estamos en el contraataque, ¿verdad Et que sí? Comme on est dans le contre-attaque, la Biblia dice la Bible dit que cualquiera de nuestros flancos que sea débil, que n'importe lequel de nos flancs qui soit faible, el enemigo va a atacar por allí, hermano. L'ennemi va attaquer par là. Entonces siempre tenemos circunstancias. Vamos de vacaciones. ¿Quién paga los platos rotos? El diezmo del Señor. Alors on a toujours des circonstances. On part en vacances. Qui paye les pots cassés? Le Seigneur. Nos quedamos sin trabajo. ¿Quién paga los platos rotos? El Señor. On reste en travail. Qui paye les pots cassés? Le Seigneur. Trabajamos al negro. ¿Quién paga los platos rotos? El Señor. On travaille au noir. Qui paye les pots cassés? Le Seigneur. Este mes no pude porque tuve muchos gastos. ¿Quién paga los platos? El Señor. Ce mois-ci, j'ai pas pu parce que j'ai eu beaucoup de dépenses qui payent les pots cassés, le Seigneur. Y después cuando venga la oruga y el saltón a atacarnos por ese lado, vamos a tener familias débiles financieramente. Et après quand viendra No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano, peleé con Dios. Quand viendra la chenille y el saltón, no sé cómo se dice. ¿Qué tendremos? El gusano. Puntos débiles. Point faible. Y familias débiles en esos flancos financieros. Et familles faibles dans ces flancs financiers. ¿Y saben qué es lo que duele bastante, hermano? Et vous savez ce qui fait vraiment mal? Cuando el enemigo ataca por la parte financiera. Quand l'ennemi attaque par la partie financière.
Estamos santificándonos, ¿verdad que sí? On est en train de nous sanctifier, n'est-ce pas? La palabra de Dios dice que debemos santificarnos. La parole de Dieu dit que nous devons nous sanctifier. Y para hacer esto, et pour faire ça, el Señor nos necesita firmes. Le Seigneur a besoin que nous soyons fermes. En todas las áreas. Dans tous les domaines. No solamente financieras. Et pas seulement financiers. No solamente sentimental. Et pas seulement sentimental. No solamente almática. Pas seulement de l'âme. En todas las áreas. Mais dans tous les domaines. Como familia. En tant que famille. Como sacerdotes. En tant que sacerdotes. Como células. En tant que cellules. Como hermanos. En tant que frères. Como creyentes. En tant que croyants. Como pareja. En tant que couple. Porque si no, parce que sinon, vamos a salir a la batalla. On va sortir à la bataille. Con algunas personas que van a morir en la batalla. Avec certaines personnes qui vont mourir dans cette bataille. Siga el hermano jugando con el Señor. Continuez à jouer avec le Seigneur. Y yo les voy a echar un cuento. Et moi je vais vous raconter une histoire. Yo no sé cuántos de ustedes todavía siguen o no creyendo lo que el Señor puede hacer o no hacer. Je ne sais pas combien d'entre vous vous continuez à croire en ce que le Seigneur peut faire ou peut ne pas faire. Pero mi Dios, mais mon Dieu, es el Dios que todo lo hace. C'est le Dieu qui fait tout, que todo lo puede. Qui peut tout. Y en él yo creo. Et je crois en lui. Su problema, si usted cree o no. C'est votre problème si vous croyez ou pas. Y el último punto, et le dernier point, volvemos a lo mismo. On revient à la même chose. Para que nosotros podamos entender a Dios, pour que nous puissions comprendre Dieu, lo que Él nos pone en la mano, ce qu'il met entre nos mains, ahí sí es temporal. Là oui c'est temporaire. Ahí sí es muy temporal. Là oui c'est très temporaire. Si Él nos da un hijo, s'il nous donne un enfant, olvídese que usted cuando esté arriba en el cielo va a tener a su hijo al ladito suyo cantando agarradito de mano, eso no va a funcionar. Oubliez ça, là-haut dans le ciel, vous n'allez pas avoir votre enfant là disfrute à côté de vous en train de le tenir par la main. Disfrute a su hijo así como está haciendo Wilder con Mateo y viéndolo alabando al Señor. Profitez de votre enfant comme Wilder fait avec Matteo ici en train de louer le Seigneur. Disfrute en la casa alabando al Señor también. Mais qu'il en profite chez lui aussi en train de louer le Seigneur. Al Señor. Et à l'école en train de louer le y Seigneur. En medio de las familias alabando al Señor. Et au milieu des familles en train de louer y le en Seigneur. Los paseos alabando al Señor. Et dans les balades en train de louer porque le Seigneur. No hacemos nada que alabe el Señor aquí después en el mundo le estén metiendo pura música del mundo, ¿verdad? Parce que ça ne sert à rien qu'il vienne louer le Seigneur ici et après dans le monde on Formelo. Remplit de musique mondaine. Non. Porque nuestro tiempo es limitado. Formez-le parce que notre temps est limité. ¿Sabes tocar guitarra? Tu sais jouer la guitare? Allá arriba tú no vas a tocar guitarra. Allá arriba no hay guitarra eléctrica. Là-haut, dans le ciel, il n'y a pas de guitare électrique. Allá arriba no hay teclado. Là-haut, il n'y a pas de piano. Uy, allá arriba no hay celulares. Il n'y a pas de portable là-haut. Cuídenlos. Alors, prenez-en soin. Cuídenlos. Pero que sean, mírenme, que sean teclados, guitarras y celulares para el Señor, para que nosotros glorifiquemos a Dios. Mais que ce soit des guitares, des pianos, des téléphones pour qu'on puisse glorifier Dieu. Porque nosotros, parce que nous, tenemos que tener la mentalidad, nous devons avoir la mentalité de los siervos, des serviteurs, des servos. El Señor a uno le dio uno. À, le Seigneur il en a donné un. A otro le dio creo que dos. À l'autre deux je crois. Y a otro cinco. Et à l'autre cinq. Cinco y diez, uno, cinco y diez. 1, 5 et 10, pardon. 25, 14, por favor. On va chercher Matthieu 25, 14, s'il vous plaît. Matteo. Matthieu. Non, Matteo, todavía, a Matteo ya lo vamos a llamar en la alabanza. Matteo. Matteo 25. Matthieu 25. Matteo 25. Matthieu 25. Ya te vamos a llamar para que busque la guitarra. On va t'appeler pour chercher ta guitare. T'inquiète pas, Matteo. Matteo 25, 14, 27, dice así. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Era uno, dos y cinco. Donc c'est okay. Deux, sí, ese es otro. Un y cinco. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y le dijo, ta, tome tanto y tome tanto. El que tenía cinco, celui qui avait cinq, los invirtió. Il les a investis. Y cuando vino el Señor, et quand le Seigneur est venu, aquí, ici, en la tierra, sur terre, cuando vino su rey, su patrón. Quand ce roi est venu, son patron. El siervo le dice, usted me dio cinco, yo lo invertí, aquí hay cinco más. Le serviteur lui a dit, vous m'en avez donné cinq, je les ai investis, voici cinq de plus. So good. C'est bien. El que le dieron dos. Ceux à qui on avait donné deux. Señor, yo tenía dos, lo invertí, aquí hay uno más. Seigneur, j'en avais deux, je l'ai investi, il y en a un de plus. So good. C'est bien. Y aquel que tenía uno. Et celui qui en avait un. No hizo nada malo. Il a rien fait de mal. Él le devolvió la monedita que el Señor le dio. Il a rendu la monnaie que le Seigneur lui avait donnée. Il l'a pas perdu. Porque él sabía que él era un rey implacable, un dueño, wow, que agarraba donde no sembraba y que era como que maluco el tipo. Et il savait parce qu'il était un roi implacable, un propriétaire qui était un peu méchant.
¿Y qué le dijo, Señor? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, yo fui más inteligente que todos. Mire, usted me dio uno, aquí está el uno, tómelo. Mon Seigneur, moi j'étais le plus intelligent de tous. Vous m'avez donné un, je vous en donne, je vous rends le un. Vagabundo. Vagabond. Mal siervo. Mauvais serviteur. Ladrón. Voleur. Engañador. Trompeur. Delincuente. Délinquant. Todo eso le dijo el Señor. Il a dit tout ça, le Seigneur. Porque no supiste invertirlo. Parce que tu n'as pas su l'investir. Porque no me honraste con tus finanzas que yo te di para que lo invirtieras. Parce que tu m'as pas honoré avec les finances que je t'ai donné pour investir. Porque nuestro talento no es nuestro. Parce que notre talent n'est pas le nôtre. El hecho que tú toques guitarra no viene de ti, Ana Karina. Le fait que tu joues la guitare, ça vient pas de toi, Ana Karina. El hecho que toques el teclado no viene de ti, Kathleen. Le fait que tu joues au piano, ça ne vient pas de toi, Kathleen. El hecho que tengas un título en la universidad. Doctorado no viene de ti, Claudia. Le fait que tu aies un diplôme, un doctorat à l'université, Claudia, aquellos ça vient que se graduaron y tienen diplomas universitarios Bac plus 5 no viene de ustedes. Pour ceux qui sont diplômés, qui ont des diplômes Bac plus 5, ça vient pas de vous. Aquellos que estamos aquí predicando la palabra del Señor no viene de nosotros. Pour ceux qui sont ici en train de prêcher la parole du Seigneur, ça vient pas de nous. Eso viene de Dios. Ça vient de Dieu. Y sus finanzas también vienen de Dios. Et vos finances viennent aussi de Dieu. Y uno de los puntos donde tú y yo siempre fallamos son en nuestras finanzas. Et l'un des points où toi et moi on échoue pastor, tout le temps. No me alcanzó el dinero, no puedo dar el diezmo. Pastor, no problema, yo no estoy cobrando diezmo. Yo no soy cobrador de diezmo, hermano. J'ai pas eu assez d'argent, je peux pas donner la dîme. Et ben c'est pas no moi qui. No es necesario que usted me dé explicación a mí. Usted hable de eso usted con el Señor. Yo c'est no. Pas nécessaire que vous veniez me donner des explications à moi, c'est pas moi qui viens vous demander la dîme. Voyez ça avec Dieu, pas avec moi. Yo no me meto. Moi, je m'y mêle pas. Pastor, de que mi hijo esta semana se enfermó y tuve que gastar en medicamentos, no puedo darle dîme. Pasteur, mon fils, il est malade, j'ai dû dépenser de l'argent pour des médicaments, je peux pas donner la dîme. Yo tuve que irme c'est de vacaciones. J'ai dû partir en vacances. Tuve que ayudar a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mi abuelo. Ma mère, ma tante, mon grand-père. Y creo que la Biblia dice un caso de esos, ¿verdad? Et je pense qu'en plus la Bible parle d'un cas comme ça. Yo no puedo. Je ne peux pas. Darle a mi madre. Donner à ma mère. Porque Corban era para Dios. Este es caso inverso, ¿verdad? Parce que c'était pour Dieu. Là, c'est le cas inverse. Tus finanzas no son tuyas, hermano. Tes finances ne sont pas à toi. Y bien la cara a todos. Et regardez-moi todos, bien tous favor. Dans les yeux, s'il vous no plaît. No le siga robando a Dios, hermano. Arrêtez de voler Dieu. Eso es un pecado. C'est un péché. Espero verlos a todos aquí la próxima semana, no que se me vaya la mitad de la iglesia. Et j'espère vous voir tous ici la semaine prochaine et pas qu'il y ait la moitié de l'église qui parte pour ça. ¿En qué le hemos robado, dirán ustedes? Et dans quoi est-ce qu'on a volé? La Biblia lo dice, nuestros diezmos y ofrendas. Sí. Et la Bible le dit dans nos dîmes et nos offrandes. Y como estamos denunciando todo lo que es pecado, esto es pecado. De ahora en adelante vamos a denunciar el pecado. Cuando usted roba los diezmos es pecar, hermano. Et afuera comme, hay muchos carros comprados con dinero robado. Hay muchos carros robados. Et comme, hay muchas casas robadas. Et hay comme, mucha ropa robada, ya va. Hay muchos hijos que están estudiando en institutos robados, con dinero robado. Ahora sí lo puedo decir. Et comme on est en train de dénoncer tout le péché, sachez que du coup, ne pas donner les dîmes et les offrandes, c'est un péché. Et dehors, vous allez pouvoir trouver beaucoup de voitures qui ont été achetées avec... de l'argent volé, des gens qui suivent des études qui sont payés avec de l'argent volé, des gens qui s'achètent des vêtements avec de l'argent volé. Tú y yo hemos sido llamados para administrar los bienes de Dios. Et toi et moi nous avons été appelés à administrer les biens de Dieu. Y el Señor te va a evaluar y a recompensar dependiendo el servicio que usted haga con Dios. Et le Seigneur va t'évaluer, te récompenser selon le service que tu as donné à Dieu. Vamos a leer un último pasaje, Lucas 12:48 y nos vamos. Et on va lire un dernier passage, Luc 12:48 la parte B. 12:48 la partie B. Dice así: Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Para concluir el día de hoy. Pour conclure le jour. Para que la noten y se vayan con la idea fresca. Et pour que vous puissiez le noter et partir avec une idée fraîche. Hemos sido creados para vivir en la eternidad. On a été créés pour vivre dans l'éternité. ¿Sí o no? ¿N'est-ce pas? ¿Estamos de acuerdo? On est d'accord? No solamente que hemos sido creados para vivir en la eternidad. On n'a pas seulement été créés pour vivre dans l'éternité. Sino que también hemos aprendido a ver qué es lo que es la vida.
Mais on a aussi appris à voir ce qu'est la vie. Je vous ai dit en plus que j'allais vous dire ce que disent les gens. Pastor, para mí la vida es como una montaña rusa. Ah, pasteur, pour moi la vie c'est comme une montagne russe. Ça vous l'avez entendu? Para mí la vida es como una película de terror. Pour moi la vie c'est comme un film d'horreur. Para mí la vida es. Pour moi la vie c'est. Un circo. Un cirque. Siempre risa. C'est toujours rire. Y de la manera como tú estás viendo la vida, vas a vivir tu vida. Et de la manière dont tu vois la vie, tu vas vivre la vie. Y de la manera que tú veas tu vida es la manera que tú vas a tener tu relación con Dios. Et de la manière dont tu vois ta vie, c'est la manière dont tu vas avoir ta relation avec Dieu. Y de la manera como tú honres a Dios con tus cosas. Et de la manière dont tu honores Dieu avec tes choses. Sabiendo que todo esto es voluntad del Señor. En sachant que tout ça c'est la volonté du Seigneur. Nosotros tenemos que entender que la vida nuestra es para la eternidad. Nous devons comprendre que notre vie c'est pour l'éternité. Y muchos me dirán. Et beaucoup vont me dire. Pero señor, yo lo que usted me dio es la monedita que usted me dio, yo se la devolví, señor. Et vous allez dire, mais Seigneur, moi la monnaie que tu m'as donnée, je te l'ai rendue, Seigneur. Usted me dio el sueldo y yo le di su diezmo, ¿verdad que sí? Tu m'as donné un salaire, je t'ai donné ta dîme. Aquellos que lo dan, otros que no lo dan. Après, il y a ceux qui le donnent, ceux qui le donnent pas. Pero ¿qué dice el Señor? Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? ¿Por qué no lo invertiste para el reino? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas investi pour para le royaume? Ganar gente. Pour gagner des gens, para evangelizar. Pour évangéliser. Y en la parte de la vida vimos tres enfoques que la Biblia nos da. Et dans la partie de la vie, on a vu trois focus que la Bible nous donne. La vida es una prueba. La vie est une épreuve. La vida es un fideicomiso. La vie est un fideicomis. Y la vida es temporal. Et la vie est temporaire. Familia, la vida cristiana es fácil en Cristo Jesús. Famille, la vie chrétienne est facile en Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ya tenemos los primeros cinco pasos de esta introducción que estamos dando. On est déjà dans les cinq points de notre introduction, des cinq pas. Les motivo. Introduction qu'on donne. Je vous motive. A que lo estudie. À ce que vous l'étudiez. A que lean los versículos. À ce que vous lisiez les versets. A que no crean todo lo que yo digo. À ce que vous ne croyez pas en tout ce que je dis. Aquí hay un libro. Ici, il y a un livre que va permitir que la vida cristiana que vivamos sea fácil. Qui va permettre que la vie chrétienne que nous vivons soit facile en Christ Jésus. Hasta la próxima semana. Les On se mucho. Voit la semaine prochaine. Je vous aime fort. Que Dieu vous bénisse.